Bonsoir Twitch, alors attendez parce que là il y a pas mal de réglages à faire. Donc déjà on va mettre un petit compresseur. Parle Zach. Oh. Donc voilà, faudra peut-être que tu parles un peu plus fort. Coucou! Non, ou peut-être, je sais pas, on verra. Par contre je vais retirer le décalage image qui me saoule le cul, voilà. Filtre, délai de rendu. On est en temps réel maintenant. Wow. Et hop, 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 c'est bon. Je vais faire ça. Tac. Et je vais faire ça et ça. Bonsoir tout le monde. comment allez-vous, Twitch? C'est pas du tout un live improvisé. C'est un live prévu depuis des millénaires. Un live sans Jex. Je suis T'as vu Jex. ça, il reste pas. Putain, il est parti, Mais Jex. je suis Jex. C'est le nouveau Jex. Donc, Alors tu peux retourner dans ton pays. Oh. c'est le nouveau Jex, hein, on avait dit. Hop. Ça devrait le faire. Vous devriez bien l'entendre, ça va, faites pas chier. Imposture, disent les gens. Sachez que je viens d'acheter une fixation GoPro à 25 euros. Voilà. J'en suis ravi. Je viens de voir The Void, t'en penses quoi? Eh bien, The Void, je trouve que c'est un film très sympathique. Mais il manque quelque chose, je trouve. En fait, je trouve que l'histoire est très sympa, mais il manque un truc. Il y a un moment dans le film, je trouve, il manque une partie, en fait. Mon intérêt n'était pas assez gardé. Mais c'était pas de la merde. Voilà. Tout à fait, Raskarka. D'ailleurs, j'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un est devenu sub. Nous allons passer son alerte sub en live pour voir qui c'est et révéler son nom afin de le remercier. Sachet de fixation GoPro à 25 balles. Oui, des fixations officielles, hein, GoPro, parce que, en fait, eh bien, les fixations normales ne marchent pas. Et donc, c'est ça que nous n'avons pas raté. Mais t'es taré! Bon bah voilà. Merci beaucoup, WNet. Kevin Globisop, tu as le choix entre un Zach Bravo d'un mètre 50 ou bien. Petit, hein. Eh bien, le bout de pénis que Zach n'a plus d'un mètre 50. Choisis bien. Sympa les rediffs de live aujourd'hui. Ouais, t'as vu, j'ai essayé de. Là, on a upé le game. Parce que vous avez quand même le choix entre les deux rediffs Max Payne 3, la rediff de Delta Green, et hier, il y a eu la rediff d'Oxide. Donc, on est bien, dirons-nous. Du coup, ce soir, ça joue seulement talk show. C'est seulement talk show, les gens. Quelle différence entre les petits globis et les gros globis? Je ne comprends pas. En fait, c'est très simple. Si ça vient du Mexique, c'est des gros globis. Si ça vient à peu près de la planète Mars, tu sais, mais dans le secteur G, Ouais. zone 45, c'est un petit globis. Un bout de pénis de 1,50 m, belle bête. Eh oui. Ah, le bout de pénis seulement. Le pénis en soi fait 5 cm. J'ai maté Oxide ce matin, c'était génial. Merci pour ce super budgétaire. Eh bien, écoute, j'en suis ravi, Bigby. J'ai beaucoup de retours positifs. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un des projets. En fait, c'est un projet qui a vachement évolué parce qu'à la base, c'était censé être médiéval fantastique. Et puis finalement, je me suis dit, mais je suis con. J'ai genre un univers entier à portée de main. Donc voilà. Zach n'a plus de bout de pénis. Non, il l'a perdu lors de Ouais. la guerre. Ça a fait pouf. Ça arrive, les gens. Du coup, C'est plus fréquent qu'on ne le pense. hier, j'ai, vous savez, eu mon compte PSN piraté par un vil gredin qui m'a donc piraté mon compte. En gros, j'ai reçu un mail de Sony qui me fait « Hey, c'est bon! Votre compte principal a bien changé de mail. » Ce qui est pas le truc le plus cool à recevoir. Donc du coup, je voulais les appeler tout de suite, j'essaie de me connecter, machin, ça marche plus, parce que j'ai pu l'identifier en fait, parce qu'en gros, Sony ne vous envoie que la confirmation du fait que ça n'a été fait, donc vous n'avez pas à cliquer sur
C'est un truc pour l'avoir. Et en plus de ça, vous n'avez pas non plus la possibilité de faire quoi que ce soit depuis ce mail, en fait. Ça vous dit juste, voilà, appelle le SAV si tu veux. Donc c'était chiant. Donc du coup, je stressais un peu parce que je me disais, un, est-ce que ça va pas prendre 15 ans? Est-ce que ça va pas être méga relou? Est-ce que ça va pas, voilà. Et du coup, en fait, ça allait, en fait, c'était plutôt cool. J'ai appelé ce matin, ça a décroché immédiatement. Et du coup, ils m'ont fourni un nouveau mot de passe, tout ça, tranquille, j'ai changé, bien évidemment. Et donc, c'est bon. Par contre, je ne peux pas faire l'identification à deux vérifications. Parce qu'en fait, Sony vous bloque cette possibilité-là si vous avez plusieurs comptes liés à des trucs Sony. Donc, par exemple, si vous avez le PSN sur plusieurs consoles, vous ne pouvez pas l'activer. Il faut désactiver toutes vos consoles pour ensuite qu'il l'active. C'est très chiant. À votre avis, pour avoir le mot de passe du compte PSN, le pirate l'a eu comment? Phishing ou base de données Sony? En vrai, base de données Sony. J'ai changé mon mot de passe pour un ancien quand j'ai fait God of War, tout simplement parce que je voulais me connecter le plus vite possible. Et en gros, j'ai fait, bon, c'est toujours, je ne retrouverai pas mon mot de passe parce qu'il est très complexe. Et du coup, j'ai fait, c'est tout, je remets un ancien classique. Sauf que je vais oublier, mais Sony, effectivement, a eu des leaks. Donc, à mon avis, ils ont juste. Tu sais, ils bombardent sans arrêt, à mon avis. Hein. Et ils n'en ont rien fait. Hein. Il y a eu aucune activité sur le compte. Ils t'ont juste changé le mail. C'est tout. Donc, à mon avis, c'est automatisé. C'est quoi l'histoire avec Smashcast? Alors, en gros, vous savez que j'ai arrêté de live Smashcast, Smashcast l'année dernière. Et il se trouve que des gens ont continué à sub. Donc, ça a d'ailleurs été une longue politique de communication pour vous dire d'arrêter de sub là-bas et de sub ici si vous voulez, ou juste arrêter de sub là-bas. Sauf que ça a accumulé à peu près 90 balles. Le seuil de paiement, c'est 100 euros là-bas. Et en fait, il se trouve que moi, j'avais des subs, vous savez, des codes subs à faire gagner, que j'ai jamais fait gagner, je les ai retrouvés par hasard. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais me les mettre. Et du coup, je me suis subé à moi-même, 10 fois. Donc, ça fait 10 fois 2 euros et quelques, quoi. Ce qui est largement, quand on a 90 euros, pour passer la cap des 100 euros, quoi. Donc, voilà. Et en gros, moi, j'étais en mode, j'attends, quoi. Et c'était en mai, quelque chose comme ça. Et puis, il arrive juillet, je me dis, c'est bizarre, j'ai rien su. Je leur envoie un message. Ils me répondent en août, un mois plus tard. Non, mais c'est bon, hein, votre paiement, il a été fait en 2017. Et il n'y a rien de marqué sur votre compte. Et je vais sur mon compte, et effectivement, il n'y a rien de marqué. Genre comme s'il me devait zéro. Mais c'est pas possible, parce que même s'il m'avait fait le paiement, il y a encore des revenus qui se génèrent, en fait. Donc, il y aura au moins 3 euros, quoi. Donc, du coup, ils ont juste supprimé mes revenus. Ils disent, non, il n'y a rien. Du coup, je leur envoie un mail en leur expliquant, en leur disant, moi, j'y suis allé en mai, qu'il y a forcément des subs, puisque même moi, je les ai fait, les subs, en mai. Donc, ils devraient apparaître, en fait. Et du coup, ils me font, non. Mais un mois après, donc, ils m'ont répondu, il y a cette semaine, quoi. Donc, du coup, ils m'ont pas répondu. Du coup, je leur ai dit, c'est tout, on va passer par Twitter, on va voir si ça marche mieux. Et voilà. Merci, Devnet. Tous les autres le font, si ce n'est pas vous, cliquez ici ou un truc du genre. Mais Grégoro, je suis totalement d'accord avec toi, ça m'a vraiment choqué. Désolé si je t'ai dit, mais il n'y a pas les rediffs qui ont disparu de ta chaîne Twitch. Alors normalement, non, Narwali, c'est juste ça supprime au fur et à mesure du temps, en fait. C'est je crois que c'est deux mois ou trois. C'est même pas 15 jours? Ah non, je crois que c'est assez long, en fait. Hein. Ah. Ah bref. Donc, de toute façon, elles arrivent progressivement sur YouTube. J'essaie d'en faire deux par jour. Je vous avoue que la motivation est très difficile à trouver dans ces cas-là, dans le sens que j'ai à peu près 200 rediffs à programmer. Et qu'il y en a régulièrement qui reviennent, tous les jours. Donc ça ne fait que ce que... Même quand j'en fais genre 100 d'un coup, très vite, il y en a 10 autres qui arrivent. Donc voilà. Mais du coup, au final, t'as bien fait de te barrer de Smashcast. S'ils te font des coups comme ça... Je sais pas, je pense qu'en vrai, ils font ça parce que là, ils sont vraiment... Enfin, je sais pas si t'as déjà regardé les chiffres et tout qu'ils ont. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Donc voilà. Il pararaît que la nouvelle adresse, c'est georgesb9t5@paglobi.fr. Oh. Putain, Zach est... Si tu te fais pirater, c'est que t'es famous. Pas du tout, Temnoser. Du coup, c'est ton nouveau compagnon, celui à côté? Tout à fait. C'est Zach. Zach, c'est illégal. Non, c'est juste Zach. Vous l'avez déjà vu dans... Est-ce qu'ils vous ont déjà vu? Non.
Dans des lives. Non. Genre, tu sais, tous les dimanches, Delta Green, un truc comme ça, t'es pas là, non? Quoi? Si, c'est toi, Jax. Salut, non. Lord Geek. C'était pas Hitbox avant. Naimic, oui, mais Hitbox a été renommé Smashcast l'année dernière. C'est pour ça que j'ai quitté, d'ailleurs. Parce que Hitbox, c'était déjà pas très connu, mais Smashcast, bah, ça repartait à zéro. Et c'est un mauvais nom, non plus. Ah si, Narvoli, c'est toujours été ça. Smashcast, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est Hitbox. Donc Gamma Red, non? Tout à fait. Du coup, pareil, beaucoup de retours positifs sur la partie d'hier. C'est cool. Ça a changé, forcément. C'était pas... C'était très différent à jouer. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Si, si, non, je suis d'accord. Après, Eric joue très RP aussi, donc... Ouais, bah, ça aide. Ça pousse les autres aussi à le faire. C'était cool. Et même sans ça, le fait qu'on joue en fait d'autres personnages, un autre type de personnage, on n'est plus dans... Là, enfin, c'est un peu plus fun, on va dire, donc c'est autre chose. Puis on sait que les personnages, de toute manière, de toute façon, ils sont temporaires. C'est pas des personnages qu'on doit tenir quand même un certain temps. J'ai pas eu le temps de voir la relief, pas de soucis, Lord Geek, tu la verras quand tu auras le temps. Ah là là, Rachar qui ne regarde pas DG. Comment? Qui ça? Rachark? Tu regardes jamais, mais... Raskark. Raskarka? Je sais pas pourquoi j'ai dit. Raskarka, je pense. Comme Raskarkapak. La momie dans Tintin. En vrai, regarde. Sincèrement, le lien, tu regardes les rediffs, c'est vraiment, vraiment cool. Si t'aimes bien nos lives, je pense que tu adoreras ça, parce que c'est quand même... Je pense qu'il y ait niveau top qualité, niveau live, c'est les lives JDR qui sont le mieux, quoi. Je pense. Après, tu peux écouter ça en audio, hein. Enfin, juste écouter, t'es pas obligé de regarder, des fois, ça... Non, c'est dead. Il y en a plein qui font ça et ça marche plutôt bien. Ouais, et puis il y a le lien juste là pour les voir. Tout simplement. Et oui, il y a la clim à côté. Ah oui, c'est une clim parce qu'en fait, Will Trooper, vous l'entendez jamais, tout simplement, parce que normalement, eh bien, il n'y a pas ce petit micro-là. Sauf que ce micro est un micro, eh bien, forcément, qui capte plus. Donc je suis obligé de... Enfin, soit Zach parle plus fort. Hey ! Mais Zach parle pas fort. Donc, Je peux parler plus fort. Depuis le début, tu n'as fait que parler de plus en moins fort. Donc non, tu ne parleras pas plus fort. Ah. J'ai menti, vous m'avez interrompu dans la rediff de l'épisode. Et voilà. Épisode 11. Ah, le début de la fin. Je m'endors tous les soirs devant, enfin. Ah, c'est bien. C'est le jet privé de Max, tout à fait. Je le fais tourner. Bah, sinon, il n'y a pas les... Enfin, tu peux pas... T'as pas de gain, quoi, donc c'est ça. C'est ça. Pas fan de l'élément paranormal, c'est pas ma cam, mais c'était fun. Alors, Shinny 689, je pense que l'élément paranormal, tu te leurres sur ce que c'est. Mais vous verrez tout ça le 30, hein, n'oubliez pas, il y a la conclusion de la... Enfin, ce dimanche, c'est la conclusion du scénario, mais le dimanche d'après, ça sera la conclusion généralement. Ça fait un moment que tu n'es pas venu en live, Temnover, c'est vrai? Combien de temps? 2 jours. As-tu vu des autres trucs qu'on a fait comme Delta Green et les lives D3? Attends, je crois que j'ai une nouvelle fausse personne qui m'a ajouté. Je sais super pas. T'es si mignonne, ma chérie. Mignonne, ma chérie. Bosser. Non, c'est une fausse personne, mais elle a pas l'air de répondre. C'est même pas drôle, alors. Ouais. Membre depuis 2007. Hein. Oxide, c'est cool, en effet. Non, depuis un mois ou deux. Putain, qu'est-ce que tu fous? En fait, tout est vrai, rien n'est paranormal. Tout à fait, Lord Geek. Non, je pense que l'élément paranormal de ce scénario est volontairement trompeur, mais c'est vous laissez tromper parce que vous, peut-être que vous ne connaissez pas justement le background de Delta Green, mais tout ça à comprendre. Alors attendez. Ah, bah c'est bien. Eric a son planning de docteur. On va pouvoir caler des dates. Ah, et en plus, il est pile en vacances au moment d'Halloween, donc c'est très bien. Bah c'est cool, on pourra placer des dates. Alors attendez, on va réserver les suivantes. Putain, vous voyez en temps réel. Donc vous voyez par exemple là, Eric vient d'avoir son planning d'octobre. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas faire les tournages de l'étrange? Parce que ça nous laisse très peu de temps. Du coup, il est dispo 10 et 11, ça fait chier. 15 et 16, ça serait top. Alors, 15, 16,
pour Vince. Hop, ensuite. Excusez-moi, hein. Je fais ça en temps réel. 20, 21, d'accord. 24, 25. Ok. 27-30. Quoi, Maski m'a dit qu'ils n'ont pas commencé le seuil de l'étrange. Si, d'accord. Putain. Vous savez très bien que tout votre argent est dépensé dans des jets. Tout à fait, on achète des jets, c'est le plus simple. Puis on les laisse tourner. Alors attendez, hop, 24-25, c'est quoi comme date? C'est un mercredi, un jeudi, on s'en branle. Et du coup, lui, il arriverait le 25-27, ok. Je vais dodo, bon talk show et pas trop de caresses, Zach et ma queue. Oui, Trooper, ça n'arrive jamais. Les Suisses n'aimeraient pas trop ça. Si, les Suisses, ils aiment bien les... homosexuel. Salut Fat Girl Rain. Hola, que tal? Dans la drogue et le barbier d'Eric. Ça serait peut-être pas mal qu'il y aille. Non, en vrai, j'y suis allé une fois avec lui et c'était horrible. Dans quel sens? Bah parce qu'il s'est fait charcuter. Ah ouais? Je propose un futur gage pour Moskim, pour je ne sais quel jeu ou événement, se raser la barbe. Hop, attends. Hop, 2 secondes. Non, ça, je me raserai pas la barbe. Pas envie. Je préfère rien me raser les cheveux que la barbe. Le 15-16, c'est possible. Je suis trop hype pour les enquêtes troublantes. Et oui. Hop. Bon, bah c'est bien le planning. Désolé, hein, ça arrive en plein milieu de ça et... Ouais, c'est trop bien. Bon, c'est cool les gens. On a fait les premiers tests pour le FMVACM. On est bien dedans. Et du coup, tout le monde préfère le premier test. Ouais. En gros, j'ai fait 2 tests parce qu'en gros, le FMVACM, vous savez, ça sera en vue à la première personne. Si vous savez pas suivi ce que c'est que le FMVACM, hein, c'est un court métrage à choix multiples. Il y aura une trentaine de fins possibles. Enfin voilà. Et du coup, ça sortira en novembre-décembre. On va plutôt dire décembre. Mais si on peut sortir en novembre, on sortira en novembre. Et donc, on a fait un test parce qu'en gros, bah, soit c'est vu très large, soit c'est vu plus droite, comme une vraie caméra, quoi. Et en vrai, la vue plus large passe étonnamment beaucoup mieux. Je n'aurais pas parié ça. Je veux le chirurgien pour qu'il me nettoie les oreilles, mais ça coûte tellement cher. Quoi? Ouais, pour vraiment faire un vrai nettoyage, quoi. Quoi, Bigby? Tu sais, c'est comme se faire nettoyer la nuit. Quoi? Tiens, un petit lavement. Quoi, Bigby? Propose une future gare, j'ai déjà lu. Maximum cosplay de Saitama, je pense que si je voyais ça, je tomberais dans les pommes. Moi aussi. Moi aussi. Du coup, dernier dimanche du mois, spoil en masse, des questions sans réponse, vous êtes là. Non. Enfin, si. Enfin, tu parles le 30 septembre? Ouais, si. Ouais, spoil en masse. Non, DevNet, le but est que ça soit fini et testé en novembre. Et que du coup, on soit sûr de le sortir en décembre, dernier délai. Ça te donne pas un mois en plus. J'ai la solution pour le planning, il faut engager Zach à la place d'Eric pour le seuil de l'étrange. En plus, il sait ski. Et je fais déjà des cosplays d'Eric. Ouais. En tournage. Ouais. Ce sera l'apocalypse en fait, de quoi? Maboula Zero, oui. Donc, Zach serait le cavalier de l'enfer infernaux des enfers infernicieux. C'est vrai. Infernal de l'enfer. Et c'est vrai. Ça se tient. Hop.
C'est trop, ça me fait marrer, je reçois souvent des trucs de... Toi aussi t'as reçu ça? J'ai reçu le même tout à l'heure. Ouais, mais je reçois souvent des messages de LinkedIn me disant oui, voilà, vous pouvez faire ça, ça, ça. Mmh. Et ça me fait marrer. Mais ceci dit, c'est grâce à ça que Big Geek m'a contacté. C'est cool. Donc c'est plutôt bien. Et pareil pour une école à Reims dans laquelle j'ai fait prof pour un cours... Et c'est comme ça que j'ai rencontré Maxime. Non. Par LinkedIn? Ouais. Non. Si? Moi au départ je te connaissais pas, je connaissais rien de ce que tu faisais moi. Et j'ai juste vu LinkedIn, j'ai cherché je regardais pas amis YouTube, à vendre. Je regardais pas YouTube, puis j'ai vu qu'il faisait des vidéos. Enfin, c'était pas vraiment ça, c'était payer son cul. Enfin, ouais, t'as vu la vidéo, ma chaîne Camfort. Non, j'ai vu qu'il y avait... Jasmin, c'est ça là, Jasmin. J'ai vu Webedia, du coup j'ai fait, ah, lui il paye son cul, je crois que je vais peut-être... Voilà. Coup, tu penses quoi de Dong Hug Me, I'm Scared? J'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un nouvel épisode qui allait arriver bientôt. Alors qu'on croyait que c'était le dernier épisode de la fois d'avant. Mais il y a un nouvel épisode qui arrive. Ça a l'air vachement bien. Pour que Zach remplace Eric, il faudrait faire un plot twist avec Captain America. Genre, il rentre dans un caisson et ressort Super Barack. Alors, t'écris bizarrement obèse. Oh, il est en train de pleurer. Eric. C'était pas sur le bon coin. La non-cohérence de mes paroles trouble un homme. Oui. En fait, ce live, c'est les aventures de Zach et Moskim dans le planning de l'angoisse. C'est un peu ça. LinkedIn, nouveau site de rencontre. D'ailleurs, j'ai installé Tinder. Et la dernière fois que je suis venu. C'est vrai? Bah, hier. Ouais. Hier soir, j'ai eu. T'as matché? Ouais, ça a matché. Ah, mais. Ah, ça a pas... En fait, c'est quelqu'un qui m'a liké. Après, je ne sais pas. D'accord. T'as marqué, j'ai un bout de top en moins? C'est vrai que j'ai. Ouais. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai plus de likes. Bah lui, ouais. Lui il fait pas peur. Lui il fait pas peur. Ouais, c'est ça. J'arrête de toucher. Ouais, t'as rien de toucher. J'ai compris que ça te gênait. Il défonce mon casque après, et après il y a le câble, il est comme ça. Au lieu d'être comme ça. C'est quand le jeu? Il y a pas de jeu. Ah, mais putain, mais moi. Chaque fois que tu m'invites, c'est pour regarder. J'ai connu Maskim grâce aux annonces tout nues qu'il te fait. Tout à fait. Sur LinkedIn. Pourquoi il y a un gobelet de McDo derrière, je me demande. Parce que Zach l'a posé là. Voilà, dedans, il y a mon Ice Tea Monster. C'est vrai ce qu'il dit. Face à Eric, j'ai tellement l'impression d'avoir un planning simple et flexible alors que tout le monde me dit qu'il est hyper chargé. Mais tu sais, d'être, moi aussi en fait. Genre, je ne pourrais pas placer des trucs comme je le souhaite pour ma vie sociale, mais pour les tournages, je libère tout en fait. C'est genre, je fais des tournages quand je dois en faire. Mais du coup, pour voir des potes, je peux pas. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que je suis pas ton pote, ça. Qui? Quoi? Quoi? Je t'emmerde. Je vais pas écouter. Va te faire foutre. Il est sympa. Le gars qui sait, genre... Il y a des gens qui te parlent et qui font genre... Ouais. C'est genre, c'est... Ouais? Tu les tapes après? Ouais. Tu les tapes, hein? Pour du gras et du sucre, tout à fait. Non, mais... McDonald's, c'est bon pour la peau, hein. Vous apprendrez que le thé glacé plus Monster Zero. C'est con, c'est dégueulasse. La bleue, c'est ça dégueulasse. Fait un goût de barbe à papa. Et oui, c'est nous les barbe à papa. Alors d'accord, il y a des bons barbe à papa, il y a des mauvais barbe à papa. J'ai dit des bons. Bravo, bravo. Des bonbons barbe à papa. C'est ça, et les mauvais barbe à papa, ils rentrent chez eux. Les carambars roses. Les carambars roses. Ça, c'est pas de la barbe à papa, c'est un carambar, t'es con. Oh, il est stupide, les gens. C'est exactement ce goût-là. C'est très étrange. Oh, tu me fais penser à Sam Gamji. Stupide ou bijou. Oh, ça c'est Gollum. Ah non, ça y est. Zach le débile. Grâce à Eric, tout le monde se sent disponible. Merci Eric. Non, franchement, le planning d'Eric, c'est un peu de la merde. Mais en vrai, ce qui est drôle, c'est que s'il avait le même planning, mais juste 2 mois à l'avance, on pourrait faire les tournages sans arrêt. Sauf qu'il l'a 15 jours à l'avance, son tournage. Enfin, et encore, quand je dis 15 jours, on est le 18. Non, on est le 17, techniquement. C'est un peu de la triche. Que je... On est 44. Vous pouvez voter hein, sur. D'ailleurs, on va mettre des votes. On va faire des votes, d'accord on va c'est mettre moi le président. Type de jeu favori FPS, RPG, gestion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Action. Indé. Non, aventure. Vrai. Point and click. Sport. Course. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme genre?
Tu écris le JDR combien de temps en avance? Alors celui de dimanche, par exemple, dernier, je l'ai pas écrit en fait. Genre, je pense qu'il y a genre 80% du scénario qui était pas écrit. Je savais ce que j'allais faire, quoi, globalement. C'était pas écrit. Mais généralement, c'est une semaine. Je mets une semaine à écrire le truc. Mais quel est son métier à ce moment-là, Eric? Il est infirmier. Horreur. Horreur, c'est pas un genre. Survival horror, tu veux dire? Ouais. Moi, c'est action aventure. Allez, je mets survival horror. Parce que techniquement, je vais mettre narratif. Il commence à les écrire à Bigby à peu près 10 minutes avant. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon. Allez, votez. De toute façon, c'est grâce à nous. Hein. Moi, je vais voter. Salut, Noriko Radake. Moi, je vais voter. J'aime beaucoup les FPS. J'aime beaucoup les RPG. J'aime beaucoup, beaucoup les actions-aventures. J'aime bien les point and click. J'aime bien les survival. J'aime bien les narratifs. Voilà. Moi, j'ai voté. À vous. Ah, prendre l'ice tea avec ta monster. Bonjour. Du coup, moi, si je suis ici, c'est pour vous parler d'un trouble qui me perturbe énormément. Oui, car il faut savoir que j'ai été violé à plusieurs reprises. En ces lieux, je le vis difficilement. Voici mon violeur. Bonjour. Salut, moi je suis pas anonyme. Hein. Du coup. Tiens, c'est quoi ce. Du coup. Ce bouton là. Quelque chose qui. Ah hey. Oui, donc, comme tu disais, c'était quelque chose de très dur. Très dur. Son sexe est très dur. Même s'il mesure à peu près 9 cm. Alors pour l'instant on a une grande avancée de 665, le voisin de la bête. L'adresse mail de votre compte Tipeee a bien été modifiée. Trop bien Corinne. Merci beaucoup. Oh shit. À propos de Smashcast, t'as lu mon message malaisant. Ah merde, c'est vrai, non? Tu sais, Noriko Radake, je lis pas forcément les pseudos. Et salut, Miss Falcio. Le métier de Zach, il en a pas vraiment. Alors, le classement. Ça va être très intéressant. En vrai, je vais retirer son âge de ton visage. Le classement, c'est RPG en premier. Action-aventure en deuxième. À égalité avec gestion. Ce qui est ultra intéressant. Et... suivi à égalité par point and click, survival horror et narratif. Mais what, quoi? J'ai donné mon avis sur le Nintendo Direct, oui. J'ai trouvé que c'était plutôt cool. Tu peux donner ton métier en vrai. Qui? Toi. Ah! Je suis UX designer. UX. On appelle ça. Parce que ma prof disait. Vendeur du cul. Ma prof disait toujours UX. Ce qui n'a aucun sens. Dans le prochain. Six histoires extraordinaires qui est sur Spider-Man, qui sortira cette semaine normalement. Je dis RC en fait, au lieu de dire RC. Mm. Et ça m'aurait pile, mais je le dis deux fois et ouais. je vais pas réenregistrer le son pour le fun, tu vois. Mais c'est horrible, mais... tu vois, juste là, UX, en fait, je l'ai tellement entendu pendant un an que du coup, en fait, ça me reste, en fait, c'est super chiant. Personne ne joue à Mario Kart sur le live. Moi, j'y crois. Moyen à fiabilité de ces statistiques. C'est vrai que j'aurais pu mettre arcade. Après, c'est un sondage. Casu. Très bien. Du coup, maintenant, on va faire un vrai sondage. Triple A ou... Non, juste UX. Juste UX designer. Votez. Je ne gère plus la partie UI. Je ne fais que de l'analyse et... Comment? Du micro-trottoir. Merde, j'ai cliqué, terminé. Oh. Non, on le refait pour de vrai. Votez. Vous pouvez revoter, j'ai relancé.
Ah, ça se passe moins bien là, la tension est là. Je rappelle que tous ceux qui ne voteront pas un. Après, c'est facile parce que quelque part, Debnet, il paye les gens, tu vois. Donc je pense qu'il y a. C'est vrai. Il y a un truc qui fait que. Trois pour les chiens. Donc ceux qui ne votent pas pour moi, je le rappelle, hein, vous serez ban def. Putain, Debnet en favori. Vous savez, c'est Debnet, hein, par contre. Petit joue flux. Ouais. Vous votez parce qu'il a des plus grosses joues. Vous êtes gentils, les gens. Ah! Du coup, d'un coup, mais la pression marche. Tu vois, c'est tous les gens qui se sont fait sub par Debnet qui disent « Oh oui, Debnet, c'est quelqu'un de bien. Ouais. » Je n'ai pas été encore payé. C'est vrai, Lord Geek est pas sub. Du coup, bah, t'as même pas voté pour moi. Quelque part, c'est bien parce que vous n'êtes pas comme les gens qui font la manche dans le métro, qui reçoivent plein d'argent et... de gens et qui gueulent en repartant. Putain, quel bon enculé, putain, ils aideraient pas. Debnet, c'est quelqu'un de bien. Alors, j'avais parlé en dehors. Hein. Vous préférez avaler. Mais c'est quoi cette tenture lupinage? Ah, mais pourquoi ça bug? Moi, ça me saoule. Tu vois, ça, c'est de la merde, ça. Pourquoi ça bug? Parce que c'est au moins la centième fois, ça rentre pas dans le truc. C'est de la merde. Merci beaucoup Debnet qui a rendu Lord Geek Globy Sub. Lord Geek qui est son 200e abonnement offert sur sa chaîne. On l'applaudit. Et donc, merci beaucoup Debnet. Lord Geek, tu as le choix entre un Debnet en or d'1m50 ou bien un chien qui a bien connu Debnet d'1m50. D'ailleurs, c'est, c'était, ça m'a surpris, hein, le top donation, là, tout à l'heure. Quoi? Le top donation quand t'as ouvert Tipeee. Ouais, ça t'a surpris? Ouais. T'es dedans? Ça bah, t'a fait bizarre? Je suis quand même dedans, mais... Tu pensais quoi? C'est, quand j'ai vu le chiffre de DevNet, j'ai fait « Ah ouais. » J'ai fait « Ah ouais. » Sachant qu'en plus, il est là depuis un an, à peu près. Oui, c'est ça. Debnet, c'est un peu mon fournisseur de monsters, tu vois. Oui, carrément. Je pense que... Ouais, c'est tous les monsters que j'ai achetés dans ma vie, c'est de représenter cette somme-là, je pense. Putain. Quand même. Je sais pas, en vrai. C'est cher, un monster, quand même, en vrai. Ça dépend. Bah, toi aussi, tu les achètes en palette? Non. Voilà. En vrai, je devrais le faire. Ouais, faudrait trouver un bon fournisseur. Alors, vous préférez avaler un seau de mort ou... À 200, Debnet. T'es vraiment à 200. Enfin, à moins que tu parles de... Non. T'as en combien en vrai? Tu veux le savoir? Ou tu veux que ça reste privé? De toute façon, c'est public, techniquement. Mais... Si vous voulez, je vous dis exactement le top. Hein. Moi, je m'en fous. Je suis pas là pour... Il y en a qui le mettent sur leur live. Maxime ne le fait pas. C'est vrai? Ouais, il y en a plein qui le mettent top donation, Mathieu. Vous voulez que je fasse? Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Bon. En tout, depuis toujours... Bah ça a baissé, non? J'ai l'impression que c'était plus tout à l'heure. Tu es à 1169,36€. Quand même. Numéro 2, c'est VHS. Qui est... En vrai... Tu, les quarts, quoi, tu prends les 4 après toi et on arrive à ton chiffre. Et c'est pour ça qu'il est sur les lives. C'est uniquement pour ça, hein. Vous savez, Debnet, je lui ai jamais parlé en vrai. J'ai jamais voulu lui parler. Hein. Ouais, ils vont tous voter pour deux. Hein. Attends. Allez, votez les gens. Ouais, mais dès qu'il y a Eric quelque part, les gens votent Eric. Hein, donc, Je sais pas, apprécier Eric pour ce qu'il est. Pas ce qu'il représente. Ouais, pas ce qu'il pourrait être. Pas ce qu'il s'imagine qu'il est, mais ce qu'il est. Ouais, voilà. Les gens... Mais vous êtes bêtes, hein, ceux qui votent pour, franchement. Ouais. Ben voilà. Je t'avais dit, dès qu'il y a Eric quelque part, tout le monde vote Eric. Non, Debnet.
Même si grâce à toi, je me suis acheté une Porsche. D'ailleurs, tu pourras me filer ta carte pour carte black pour black platinum, la machin, pour recharger le jet en kérosène. Si tu veux. Mais vous pouvez pas apprécier Eric pour ce qu'il est, vous savez. Eric, c'est le genre de mec qui, je veux dire, je rappelle quand même qu'il a tabassé des vieux juste parce que ça l'amusait, quoi. Bah, c'était même pas que ça l'amusait, c'est juste qu'il faisait chier, en fait. Ouais. D'accord. Donc imaginez quand il veut vraiment s'amuser. Attendez, regarde un truc, parce que je suis en train de télécharger, remettre à jour mon Mac. C'est un peu compliqué. Ah non, mais Eric, il le verra pas. Hein. D'accord, donc vous préférez avaler un saut de morve en majorité. Les gens, quelle série vous regardez en ce moment ? Dites-moi. Tout le monde aime taper ses vieux. Y'a pas grand chose en ce moment. En ce moment, t'es fou, mec. Preacher qui est fini. Preacher, c'est de la merde. C'est trop bien, Preacher. Non, en vrai, en ce moment, y'a plein de trucs trop bien. Déjà, y'a Better Call Saul. Je regarde pas. Ultra quali. Ensuite, y'a putain de Ozark saison 2. Y'a Bojack Horseman saison 5 qui vient de sortir. Y'a. Comment ça s'appelle Bon, y'a Sharp Object qui vient de se finir. Y'a Paradise PD. C'est ce qui est vraiment pas terrible. En fait, t'aimes vraiment bien les trucs de merde. Mais moi, j'aime bien. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Après, c'est beaucoup de cul. Je dis pas que c'est la meilleure série animée du monde, mais ça se regarde bien. Et le mec, il regarde quand même pas Ozark et Better Call Saul, et après, il vient chercher la qualité. Mais je sais pas, je me suis fait chier devant Better Call Saul, en fait, j'ai commencé la deuxième saison, je me fais toujours chier. Mais t'as pas de goût. En fait, ce qui est trop bien, c'est l'écriture, quoi. C'est trop bien écrit. Les personnages sont hyper intéressants. Ouais, je sais pas, j'ai du mal. Tu préfères quand ça fait une blague kékette? Non mais ça c'est quand je mange. Quand je mange, je regarde une série animée. Arrête de faire ça. Si le câble pète, on doit racheter le truc en entier. Il coûte 150 euros. Je veux pas le racheter. Il faut pas jouer au truc. Ah, Jack Ryan, c'est bien en fait. J'ai regardé les deux premiers épisodes, mais j'ai pas accroché. Enfin, ça fait vraiment Yellowstone, je voulais regarder. Tabou, j'ai déjà regardé, c'est excellent. Il n'y a pas la saison 2. Ouais, il n'y a pas la saison 2. Là. Non. Ozark, c'est vraiment bien. C'est vrai que vous regardez en ce moment. A plus, Debnet. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Il manque que Eric. Non, bah non, mon écran, il va bien. Pour l'instant. Oh, zut. Bah, attends, je suis en train de te péter un câble. J'aimerais bien racheter un troisième écran, mais en ce moment, je sais pas. Je pense, parce qu'on est devant. Parks and Rec, ah, trop bien Parks and Rec, excellent. D'ailleurs, en parlant de Parks and Rec, vous pouvez regarder Brooklyn Nine-Nine, qui est donc, ou The Good Place, qui est donc fait par les mêmes, mêmes personnes. Et j'ai regardé The Good Place. The Good Place, c'est vraiment cool. Enfin, voilà. Un écran, ça coûte combien, Monster? Tu préfères ça fait un mois pour moi. C'est vrai? Ouais, faut que je me prévienne un mois de Monster, je pense. 600 balles? Non. Non, 450, en vrai, par mois, je crois que je suis bien presque autour de 100 euros. Hein. Ouais, mais moi, mon écran, tu vois, ouais, l'écran que je veux racheter, là, c'est un tout petit. Hein. C'est vraiment juste histoire, en fait, de, par exemple, c'est tu vois, celui le chat. Ta wishlist, ouais. Juste en dessous, que si les gens étaient gentils, il faut. Mais c'est quoi cette enture lupinage? Merci beaucoup, Debnet, qui transforme Tepnoser en Globisub avant de partir. Tepnoser, t'as le choix entre un écran qui explose d'un mètre 50. Ou bien les goûts médiocres de Zach en termes de série. Une série animée, si tu préfères. Oh, une série. Preacher. T'as regardé? En vrai, j'ai regardé deux épisodes, j'ai arrêté, mais c'est pas parce que voulais pas, c'est parce qu'en fait, c'était très compliqué pour moi de les regarder. C'était à cette époque-là. De les regarder dans le temps, hein, j'entends. Voilà. Et merci Lord Geek qui a renouvelé l'abonnement offert par Damnet. Du coup, tu pourras. Putain, il y a eu 200 000, on est passé à 200 000. T'as vu, c'est ouf. En début, on était à 20 000, un truc comme ça offert. Et du coup, là, c'était 200 000. Ça a très bien marché, ça, September, pardon. Maintenant, je suis deg de pas avoir voté Debnet. The Good Place, ça m'a vite lassé. Putain, jauge. T'as regardé la saison 2 et tout, c'est trop bien pourtant. Brooklyn Nine-Nine, c'est vraiment top, ouais. Ouais, c'est cool. Mais après, j'ai pas trop suivi. Je me suis arrêté à saison 4, moi. De Brooklyn? Ouais. En fait, Brooklyn Nine-Nine, je trouve que les dernières saisons sont vraiment bien. Oui, c'est ce que je regardais en ce moment. Il y a le Stone, excellent, image de Hector Henry. J'avais rien, ça se regardait, mais ça fait un peu. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un peu vieillot niveau. En fait, j'ai l'impression de regarder 24. Oh, moins bien.
Et puis, à ce côté, toujours très américain, terroriste, etc. Ça se passe en France. Oui, c'est genre dans un non, épisode, quoi. C'est vrai. Et genre, c'est juste pour faire péter une putain de bombe, quoi. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'ils sont en France et il y a genre la moitié des acteurs qui est français. Et du coup, ça fait genre, bon, il faudra aller par là-bas, d'accord? Ok, I'm gonna find you, and what do you find, machin? Et l'autre qui répond, d'accord, on va y aller. Et c'est genre comme ça et tout. Et genre vraiment, ça fait vraiment, il y en a un qui a particulièrement un fort accent anglais. Et du coup, ça fait trop genre, oui, bah oui, t'es français, toi. Ah non, elles sont pas mal, les séries Amazon Prime. Il y a quand même des bonnes séries. Il y a Unfinished Tales. C'est pas une série Amazon Prime. C'est pas une série Amazon Prime. Non. Après, ils ont les droits de diffusion, alors. Ah, peut-être, oui. Je sais pas, je regarde pas là-dessus. Mais après, ils ont American Gods. American mais Gods, c'est quoi cette torture lupinage? Après, c'est merci pas dit qu'il y a une saison 2. Discorias qui resub, du coup. Et putain, en plus, on a un bruit normalement spécial pour les, pour les subs offerts. Ça me saoule, en vrai. Merci après, beaucoup, Discorias. The Man in the High Castle. De toute façon, ils ont tous les droits de Philip K. Dick, donc... The Man in the High Castle, j'ai pas regardé, parce qu'en fait, j'attends qu'elle soit finie pour la regarder. Ouais. C'est comme The Leftovers, j'avais pas regardé. Je savais que c'était bien, et je sais que celle-là est bien. Ouais, mais tu préfères te faire du tout d'une traite. Ouais, comme The Americans. Pareil, pas regarder. Je sais que c'est bien, je regarderai, mais j'attends que ce soit fini. Parce qu'en fait, si vous faites pas ça, il y a des gros moments de creux quand même dans l'année. Genre moi là, cet été à un moment, c'était genre bah d'accord, toutes les séries que j'attends, elles sortent plus tard et du coup bah en attendant j'ai rien, du coup j'ai regardé tout The Leftovers, ça a pris une semaine et c'était trop bien. Ouais c'est vrai. Ouais, les séries Netflix c'est quand même pas fou hein, en vrai. C'est quand même une majorité de séries qui sont là juste pour combler le vide. Hein. De quoi? En série Netflix, officielle Netflix. C'est officiel Netflix, le problème c'est qu'en fait il y a quand même beaucoup de trucs. Moi c'est... en fait ce qui me pose un problème par rapport à Netflix c'est que leur technique de production est qu'en fait ils achètent un produit qui existe déjà souvent ou qu'on leur a proposé. Donc c'est pour ça que vous avez des séries de qualité comme Stranger Things pour la saison 1 comme Dark. Ou Dark saison 1 ou Ghoul qui vient de sortir qui est très très cool d'ailleurs. Une des meilleures séries de l'année d'ailleurs. Mais le problème c'est qu'en fait après les gens qu'ils ont embauchés, ils n'ont pas prévu de suite, en fait, pas nécessairement. Sauf que Netflix, eux, leur intérêt, c'est de faire de garder les séries en route, en fait. Parce que ça coûte moins cher d'avoir un truc qui va forcément avoir déjà son public et que des gens vont payer pour avoir l'abonnement, en fait, tous les ans, juste pour cette série-là, en fait. Et donc, c'est pour ça que Stranger Things, la saison 2, a chié. Et que la saison 1 est bien pourtant. La série The Shield est vraiment bien, Naïmik, ouais. J'ai regardé que la saison 1, moi. Moi, j'ai regardé jusqu'à ce que leur chef change. La deuxième fois qu'il change. Et c'était vraiment bien The Shield à l'époque. Après, ça a peut-être vieilli, par contre. Après, attention, ouais, c'est comme disait Maxime, niveau série Netflix, il y en a beaucoup qui sont achetés. Par exemple, tout ce qui est manga, souvent, ils ont acheté la saison, mais en fait, les studios sont morts, en fait, derrière. Wow, ah ouais, on beaucoup d'autres trucs, par exemple celui qui avait fait, le studio qui a fait, je sais plus c'est Gangsta ou un autre qui est sur Netflix, en fait est mort après. Et, ou alors il y en avait un aussi, c'était ceux qui géraient One Punch Man, mais ils gèrent aussi plein d'autres, enfin genre ils gèrent l'attaque des titans et plein d'autres trucs, et du coup bah en fait ils sont obligés de faire un choix de ce qu'ils vont faire en fait. Moi ouais, Grégoro. Maintenant, je regarde quasiment que des. Que ce qu'on. Enfin. Que de la série vraiment de qualité, parce que sinon, j'ai plus le temps, quoi. Mmh. C'est les trucs qui te passent juste le temps, en fait. Je fais pas. Je dis, moi, c'est pour ça que c'est animé, c'est genre 20 minutes. Je me dis, ouais, c'est bien pour quand je mange, tu vois. Ouais, je passe juste le temps de manger. Mais c'est vrai que quand je mange, je regarde des vidéos YouTube, en fait. De ouais, YouTubeurs en fait, que j'aime bien. Donc, ouais. Moi, souvent, j'ai pas grand. Enfin, en fait, j'ai déjà fait tour. D'accord. Tu vois. Du coup, en fait, c'est pour ça que je me mets ça, et puis. The Shield, c'est trop bien, ouais. À l'époque, c'était trop bien. Maintenant, je me demande, du coup, avec... Parce que c'est vraiment un format, justement, de l'époque 24 et tout. C'est un peu comme Oz ou des trucs comme ça. Je me demande si ça a bien vieilli, en fait. J'en sais rien. Je dis que j'ai bien aimé, je me demande si ça a vieilli. Ouais, si vous voulez, je vous conseille Atypical. C'est une chouette série qui met en scène une personne atteinte d'autisme. D'accord. Moi, pareil, mais il y a tellement de séries de qualité que même en faisant ça, j'en regarde. Alors, franchement, je suis d'accord aussi. Mais j'essaye justement de... Après, moi, ce que j'essaie de faire, c'est... Je sais qu'il y a des séries que je peux regarder seul, des séries que je regarde avec ma copine, et des séries où je peux bosser en même temps. Donc, après, t'as des séries que t'as vraiment envie de suivre, et que tu peux attendre une semaine parce que t'es vraiment à fond dedans.
Puis t'as essayé, comme tu disais, Leftovers, machin, des trucs en fait qui vaut mieux sans doute regarder d'une traite, ou voilà, enfin, sur toute une période où t'es que là-dedans, et comme ça t'es complètement imprégné du feeling de la série. Mais c'est vrai que j'ai tendance, les séries avec beaucoup de saisons, à pas forcément les regarder. Parce que déjà, je t'avais conseillé Blood Drive, puis bon, au final, t'as vu, il n'y a pas de saison 2, même si je trouve que, franchement, la saison 1 se vaut quand même en tant que série. Mais je suis vraiment deck, par contre, de Blood Drive. J'arrive, je vais regarder la mise à jour. Tu peux parler, t'as le droit. D'accord. Je parle. Depuis que le live a commencé, j'ai passé mon temps à chasser une araignée qui avait commencé par me courir dessus, puis disparaître. Étant phobique, j'ai fait une petite crise, puis je me suis décidé de la chasser. J'ai retourné toute la zone de mon appart où elle était pour l'attraper. Je viens de la buter. J'ai peur. T'inquiète. Bah, c'est pas celle que t'as tuée. Celle que t'as tuée, c'en est une autre. Il y en a 7 autres dans ta pièce. Il y a ses bébés. Ses bébés, c'est un. Et ça répond à peu près à une centaine. Hein. Il s'appelle Charles Brown Backbeat. Brune. C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé Brune. Ouais, c'est Charles Burns Backbeat. Moi, j'aime regarder les séries 2 épisodes par 2 épisodes, ça fait comme des films. Ouais, sauf que quand ta série comme Ozark, elle fait 1 heure par épisode, ça fait fat quand même. Arrête, mais c'est ce que je suis en train de me dire. Par contre, c'est des beaux films, moi j'ai du mal à regarder des films. En fait, il y a vraiment genre des périodes où je vais me taper 3-4 films comme ça que je voulais absolument voir. Et je vois ce que tu veux dire, mais après, ça prend du temps en fait. Bah, moi en fait, à l'heure actuelle, je dirais que niveau film, le problème c'est qu'il y a des films que j'attends tellement longtemps de voir que j'en ai plus rien à foutre. Oui, c'est ça. Mais par contre, ouais, il y a quand même des. Niveau film d'horreur, j'en regarde quand même au moins un par semaine, je pense. Même si c'est de la merde. Non, je regarde quasiment que des films au mieux moyen, je trouve, en horreur. Ouais. Sinon, je regarde pas. Genre Wish Upon, des trucs comme ça, je regarde pas. D'accord. Mais j'ai regardé justement The Endless qui était vraiment très bien. Hereditary qui est excellent, et l'autre dont je vous parlais, Thelma. Mais Thelma, je l'ai regardé il y a pas mal de temps quand même. Mais il y a beaucoup de symbolique. Après, moi par contre, je trouve qu'il y a une demi-heure de trop dans le film de Hereditary. Pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'il y a une demi-heure qui est en trop dans la première partie du film. Ah, moi j'ai vraiment bien aimé justement. Je croyais qu'en fait, s'il y avait un moment, c'était dur de rester dedans. Même si c'était cool, tu vois, je veux dire, l'ambiance était là, mais je trouvais qu'il y avait quand même c'était un peu long, tu vois, j'étais déjà dans l'ambiance. Le rythme était vraiment top, moi. Pas eu de problème. Je dis une demi-heure, après c'est peut-être un peu moins, tu vois, mais il y a un petit moment en trop, je pense. J'ai toujours pas commencé Mr. Robot, que j'ai l'intention de voir depuis un moment. La saison 1 est cool, mais la fin de la saison 1, tu fais genre mouais, alors j'ai pas regardé la suite. Apparemment, la saison 3 est vraiment cool. La saison 2, autant elle était pas claire, apparemment, mais j'ai pas regardé, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Pas beaucoup de gens en disent bien. Alors, Temnosaur, le problème de Hereditary, c'est comme The Witch, c'est que c'est des films qui sont réellement des films d'horreur, réellement des films fantastiques, c'est-à-dire basés sur est-ce que le personnage est fou, est-ce que l'histoire qu'on te raconte est un point de vue ou un fait. Et c'est vraiment très intéressant. Le problème, c'est que dans la tête des gens, un film d'horreur, c'est un film à screamer. Et un film d'horreur, c'est un film où il doit y avoir un monstre ou un truc comme ça. Un truc clairement identifié. Et là, non, c'est pas le cas. Il n'y a pas ça. Hein. Ni dans The Witch, ni dans Hereditary, en fait, ni dans Thelma, ni dans. The Witch, c'est vrai que je comprends parce que c'est vraiment spécial. Contrairement à Hereditary, encore. Ouais, c'est plus accessible. Voilà, c'est plus accessible. Mais je préfère The Witch, par contre. Vraiment. The Witch est vraiment plus difficile d'accès, je pense. De l'horreur, du horreur ou du slasher. Alors, slasher fait partie du film d'horreur. C'est pareil, arrêtez de dire qu'un slasher n'est pas un film d'horreur. Un slasher est un film d'horreur. C'est un type de film d'horreur. Mais le film d'horreur, il y a plein de trucs. Film gore, oui aussi, tout à fait. Comme le film, torture porn, machin. Le torture porn fait partie de l'horreur. C'est une dimension de l'horreur. Moi, c'est pas ma préférée. J'aime bien, j'ai pas de problème avec le torture porn. Mais le problème du torture porn, c'est que honnêtement, niveau qualitatif, c'est le bas du bas. Il y a très peu de bons torture porn. Enfin, je veux dire, en gros, t'as Hostel, t'as certains vieux films et quelques slashers qui rentrent dans le torture porn à un moment qui sont pas trop mal. Mais t'as un peu Hellraiser, enfin, dans le tout dernier, il y a encore le dernier. Ah, j'ai pas regardé, j'ai regardé les 3 premiers, ça m'a gavé. Franchement, je me suis forcé. Franchement, le tout dernier, t'as genre. Le premier est bien. La première demi-heure, genre l'ambiance, elle est vraiment ultra fidèle à l'univers de ce qu'avait posé Clive Barker. Et après, ça part totalement en couille. Et ça finit, enfin, c'est vraiment de la merde. Ah, Eden Lake, oui, t'en avais parlé, faut que je le voie.
Ah, mais c'est plus du revenge. Bah, c'est pareil. Hein. Ah, quoique, non. Je sais pas. Tu l'as pas vu du coup ? Non, je l'ai pas vu. Moi, je dis rien. J'ai regardé Eden Lake. Il est cool en vrai. Mais je crois que c'est. C'est un peu dur à regarder. C'est plus psychologique, tu vois, tout ce qui se passe. Mais... Est-ce qu'on peut considérer les snuff movies comme des films d'horreur ou des films réels ? Saw, c'est pas torture. Alors, Saw 1 est un thriller d'horreur, et après, ça rentre dans le torture porn. Et après, c'est vraiment et pas encore, terrible. Je trouve qu'il n'y a pas tant d'horreur que ça. Enfin, en tant que thriller, oui, c'est plus un thriller. C'est un tueur, tu vois, c'est vraiment le mec qui. Voilà, ouais, mais il y a quand même une dimension peur. Enfin, quelqu'un qui regarde la vidéo ouais, va pas faire ça. Est-ce que c'est pas plutôt du stress lié au suspense au... J'ai bouffé tellement de films d'horreur que maintenant l'histoire est toujours la même sur le schéma scénaristique que j'ai arrêté. Alors, Bigby regarde The Witch, regarde Thelma, regarde The Endless et dis-moi la même chose. T'as Mr. Babadook, du coup, j'ai toujours pas regardé Mr. Babadook est vraiment cool aussi. Hein. Mais regarde ces films-là. Ou même, justement, Under the Shadow ou Under Shadows, je sais plus c'est le titre exactement. Et Mr. Babadook, tu regardes ces 5-là et dis-moi ça, quoi. C'est pas du tout... je suis pas d'accord avec toi, c'est... Après, c'est peut-être parce que tu cibles, en fait. Il y a plein de films de merde. Si tu regardes The Conjuring, Annabelle ou des trucs comme ça, forcément, tu vas être dans le même délire. Alors, The Visit, j'ai beaucoup aimé ce nanar, ouais. C'est un nanar. Par contre, qu'on ne me dise pas que c'est un film d'horreur, c'est un nanar. Il est construit comme un nanar. Et je pense que, réellement, la volonté du réalisateur est de faire un film humoristique. Sauf qu'il n'est pas drôle. On se moque du film, pas. On rigole pas grâce au film. Et voilà. C'est vraiment de la grosse chiasse de visite. Du coup, tu considères comment La cabane dans les bois ? La cabane dans les bois, c'est un film d'horreur. Mais par contre, c'est un film d'horreur avec une réflexion justement sur... ce qui est super intéressant, c'est que c'est une réflexion sur l'industrie en fait, générale du film d'horreur. Comme Scream l'a fait... Enfin, toute la saga Scream l'a fait épisode par épisode. Et donc, c'est la même chose, mais vraiment plus orienté sur le film d'horreur en général, au-delà de se limiter à simplement slasher. Même si... Ça tourne un petit peu comme un slasher. Mais du coup, très intéressant. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment poussé à l'excès. Et c'était du coup vraiment cool à voir. Pour moi, c'est un des très bons de ces 10 dernières années. Je pense que c'est dans mes films préférés. Je sais pas s'il est sorti ces 10 dernières... Si. En fait, tu vois cette sensation d'inquiétante étrangeté. C'est ce que je recherche dans les films d'horreur. Eh bien, les films que je t'ai cités, The Witch, putain de Thelma, putain de tout ça, Hereditary, ça y est, quoi. Après, t'as... The Lords of Salem, de Rob Zombie aussi. Mais il s'est fait pas mal défoncer, lui. Ah bah franchement, moi j'ai pas vu. Je trouve qu'au niveau ambiance, il y a quand même des putains de scènes iconiques. Enfin, c'est vraiment... c'est du Rob Zombie, c'est vachement inspiré de beaucoup de choses déjà existantes. Mais ça fait le taf. Et je trouve que vraiment, niveau ambiance, c'est très Gabelle, chelou. J'ai trouvé que The Witch était plus malsain que horrifique. Du coup, je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que vraiment un film d'horreur. L'horreur, c'est le fait de créer... un sentiment de peur. Or, c'est ultra large. Mais d'abord, c'est simple. Tu réponds à des questions simples. Est-ce que c'est un film fantastique ? Si c'est un film fantastique, ça tombe dans le film d'horreur. C'est tout. Et tous les films fantastiques sont des films d'horreur. Maintenant, tous les films fantastiques peuvent tomber dans plusieurs genres. Tu peux avoir des films d'horreur de SF, tu peux avoir des films d'horreur orientés gore, des films d'horreur... plein de trucs. Par exemple, si tu prends The Thing, c'est un film d'horreur, mais c'est aussi un film de SF. Et c'est aussi un film de monstres. Et c'est aussi un film de survie, un petit peu. Et de thriller psychologique. Voilà. Annabelle au cinéma, mon dieu. Et donc voilà, là, The Witch, ce côté malsain tombe dans l'horreur. Si tu ressens quelque chose qui t'inquiète, qui te fait sentir mal, dans un principe de... les images... t'amène des pensées, on va dire, inquiétantes, un petit peu dérangeantes, etc. C'est de l'horreur. Maintenant, tout le panel de l'horreur est gigantesque. Donc, tu peux avoir des films d'horreur où l'horreur sera simplement vraiment une toile de fond, tu vois, ou d'autres trucs où ça sera le sujet principal. Mais pour le coup, The Witch est vraiment un film d'horreur. Les zombies, par exemple, ça fait partie du film d'horreur. Mais je suis d'accord avec tout le monde pour dire que ça fait pas peur un film de zombies. Mais le principe d'un film d'horreur n'est pas forcément de déclencher une peur continue. Mais par exemple, si vous regardez 28 jours plus tard, qui est un film d'infecté, je suis d'accord, c'est pas des zombies, blablabla, mais ça fait peur. Ouais, parce qu'après, les zombies aussi vachement évoluent avec leur temps. Et ça... Au départ, c'est quand même des mecs bleus, des morts bleus.
C'est avec. Ah, il est. Avec zombies. C'était des zombies. Oui, je crois, je crois que ça s'appelait tout zombie, zombie tout simplement. Et ouais, c'était bleu, ils étaient dans. Tu sais, c'est le centre commercial et tout qui a été refait par je sais plus qui. Bah, par Zack Snyder. Ouais, c'est ça. J'avais un doute. Donc tu es en train de dire que les films d'horreur peuvent être à toutes les sauces, tout à fait. Rec, ça fait un peu peur, et c'est Zombies 3. Alors ça ne fait pas un peu peur, ça fait carrément peur. Rec, il est excellent. Ouais. Et puis c'est pas forcément, il y a pas que des zombies. Hein, non, c'est plus des infectés que des zombies d'ailleurs. Ouais. Enfin quoi qu'il y a des zombies et des, je crois que c'est les deux. Et il y a autre chose. Oui. Et d'ailleurs quand tu regardes le 2, t'as la réponse. Et le 3, je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est lol, du coup il se prend pas au sérieux et qu'il est bien. Le 2 était bien. L'horreur Event Horizon. Ah, moi, alors tu vois Event Horizon, j'aime bien tous les thèmes du film, même comment c'est traité et plein de trucs, mais j'arrive pas à aimer le film. Eh bah, tu vois, moi j'ai regardé, j'ai fait, ouais, enfin j'ai regardé pas longtemps parce que j'aime bien, mais j'arrive pas à aimer le film. Je l'ai regardé genre la semaine dernière, parce que du coup j'en entendais beaucoup parler en ce moment. Je sais plus, pas forcément que sur le live, un peu partout. Et le truc c'est que du coup je l'ai regardé et j'ai fait. Bah c'est pas ouf du tout en fait. Parce que ouais, tu vois, il y avait plein d'idées, tu fais ouais ok, mais en plus j'ai l'impression que c'est déjà vu. Mais après c'est peut-être parce que ça a été réexploité par la suite, vu que c'est quand même un vieux film. Mais ouais, j'ai fait bof. C'est ouf hein. Puis j'ai trouvé ça pas bien joué, j'ai pas, enfin j'ai pas trouvé ça terriblement. Mais après je j'ai pas envie de la merde, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça le truc. Il y a plein de trucs que j'ai bien aimé. Je me dis que c'est pas de la merde non plus, mais il y a plein de trucs qui vont pas dans le film, j'ai l'impression. Je sais pas. Excusez-moi, hein, je suis en train de. Pose une pêche, ne vous inquiétez pas. Voilà. Oui, c'est dans un immeuble rec. Et il y a une version, alors ne pas confondre avec la version américaine qui est donc Quarantine. Je savais même pas que c'était un remake américain. C'est un remake américain. Et il y a plein de gens qui ont vu celui-là et pas. C'est ouf ça. Ce rec est quand même vachement plus connu que Quarantine. Bah, faut croire que non. Rec 3, c'est pas un préquel de Rec 1. Rec 2 est un préquel. Ah oui, c'est ça. Rec 2 est donc un préquel et une suite. Je crois. Après, encore une fois, vous savez certainement mieux ça. Vous avez vu Annihilation. Alors, oui, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il est dans ma liste, mais comme je disais, les films, j'ai pas trop le temps pour les regarder. Parce que, déjà, même une série de 1 heure, j'ai pas trop le temps. Je regarde de temps en temps les trucs que je suis vraiment. Donc c'est pour ça que je disais, j'ai fini Preacher, donc du coup je n'ai plus grand chose à regarder en ce moment. J'arrive pas à voir le lien. D'accord, c'est pas pour rien. Non, Rec 2, c'est après Rec 1. D'accord. C'est possible. Parce que je crois qu'au départ, vu qu'ils se souviennent de se faire enfermer dans l'immeuble. Et le 2, après, c'est t'as les soldats qui arrivent pour nettoyer l'immeuble. D'accord. Vous connaissez certainement mieux que moi. Vous savez tout mieux que nous, vous le savez très bien. D'où les questions. Super chiant ce que je suis en train de faire. Mais t'adores. Barbe à papa. Pourquoi dans tous les films de zombies, les scientifiques sont débiles et les civils ont le niveau mental d'un rumsteak? Alors ça, parce que c'est ce que vous voulez. Et on vous donne ce que vous voulez. Ça va en même temps quelque part. Normalement, les gens demandent un certain. D'ailleurs, c'est. Je viens seulement de tilter que La Nonne, c'était encore un spin-off de. Ah oui. Ça fait quand même beaucoup de spin-off. Enfin, si à chaque fois qu'ils font un Conjuring, ou c'est pas Conjuring, c'est.
Si, c'est Conjuring. De quoi? Non, si, c'est The Conjuring. C'est Conjuring. Hein. Conjuring, c'était Annabelle. Conjuring 2, c'est la nonne. C'est comment... Enfin... Voilà. Sortez les billets, quoi. Le pire film d'horreur de l'histoire, Pyramide de 2014. Je suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça, quand même. Je l'ai vu il y a quelques temps et j'ai pas le souvenir que c'était un aussi mauvais film que ça. C'est pas terrible, c'est sûr, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus un navet total. Trop chiant quand tu utilises ton Mac une fois par an. Par an. Et que ça fout la merde. En vrai, une apocalypse zombie ne pourrait jamais avoir lieu parce qu'on va les défoncer. Bof, hein, regarde, il y a plein de maladies où, en vrai, c'est juste les défonce. C'est pas tant les zombies qui posent un problème que si c'est une maladie. Après, en plus, suffit que si t'as réellement des zombies. Enfin, la preuve dans les films, souvent, c'est montré ou série ou tout ce que tu veux. C'est dès qu'ils sont en grand nombre, Ce que tu veux faire, tu peux pas faire. Puis c'est pareil, là, on parle sur le fait que lui retirer une balle dans la tête, ça marche, mais même, va faire des headshots, va faire des machins, enfin, ça peut être con. Les films VHS sont vraiment bien. Bof. VHS 1 est. En fait, c'est vraiment pas ouf. Et VHS 2 est sympa. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, il y a des histoires qui sont cool. Après, c'est pas forcément super bien fait. Et les histoires, des fois, sont vraiment sympathiques. Je t'ai remis un peu de Barbapapa. Oh non. Mais ouais, du coup, VHS, le problème, c'est que c'est quand même. Le 1 est vraiment genre. Tiens, on va faire tous les clichés. C'est ça le problème. Il y a deux histoires qui sont pas trop mal, mais voilà. Mais le 2 est mieux, parce que déjà, les réels sont mieux. Et la prod est. Quand se prend moins au sérieux aussi, c'est carrément mieux. Le truc avec la secte, par exemple, il est carrément cool. Mais le 1 est vraiment pas top. Après, si vous voulez une sorte de slasher sympa, enfin rigolo à regarder, il y a No One Lives, qui est vraiment cool. Il y a Rec 4. Ah ouais, merde. Oui, il y a Rec 4, c'est vrai qu'il est sorti. D'accord, j'ai pas vu le 3, alors le 4. Je l'ai Rec 4, je crois que c'est vraiment genre du gros n'importe quoi. Rec 3, je crois que c'était déjà ça. Hein. Je crois qu'ils essayaient quand même de rester dans la lignée. Rec 3 Genesis. Et Rec 4 Apocalypse. Merde. Vas-y, je vais prendre en DVD, bien et sûr. Et Au Sauvage, dit Narwhal. Ah mon dieu. Mais je pense qu'ils n'auront jamais le temps de s'accumuler des premiers zombies, l'armée va débarquer, il va y avoir des mises en quarantaine, etc. Je sais pas, hein. Franchement, virus, ça dépend d'où c'est. Un virus, c'est vite propagé, hein, quand même. Ça dépend comment ça se fait. Par exemple, imagine, c'est simplement la toxoplasmose qui évolue. 60% de l'humanité a la toxoplasmose à l'heure actuelle. Donc c'est pas que ça va se répandre, c'est juste le virus va évoluer. Et ça va se taper très vite. Et c'est 60% de l'humanité. Tu fais quoi? Genre, les officiels, s'ils sont touchés, si... Genre, bam, le président des États-Unis, toute une partie de la... De l'arc de pouvoir, machin, ils peuvent plus rien faire après. C'est fini. Le temps d'année... Enfin, regarde des films comme Alerte ou des films comme... des trucs comme ça, ou Virus, machin, tu verras. Franchement, ça s'accumule très vite, hein. C'est quoi là, dont parlait Grégo? In the Flesh. Ah, je crois que ça me dit quelque chose. J'ai juste vu le nom passer, moi, ça me dit rien. La toxoplasmose, c'est en gros, c'est la maladie, c'est un parasite du chat. Et en gros, c'est fait que si vous avez un chat, vous l'avez, très vraisemblablement. Et en fait, ça change votre comportement par rapport au chat. C'est-à-dire, si vous aimez particulièrement les chats, il est très vraisemblable que vous avez la toxoplasmose. J'y pense, mais en fait, les films d'horreur et slasher, j'aime pas trop ça. Je trouve souvent de très mauvaise qualité, The Witch. J'ai bien aimé, sans plus, en fait, le contexte, les costumes et la photographie m'intéressaient plus que le plot. Chacun ses goûts, en fait, c'est ça le truc. Hein. Mais si t'aimes pas les films d'horreur, t'aimes pas les films d'horreur. Moi, ce que j'aime bien dans les films d'horreur, c'est que c'est ceux qui me font le plus rêver. En fait, c'est ceux qui m'amènent le plus à
Je trouve qu'ils traitent des sujets très variés. Généralement, c'est ceux qui sont assez fins et qui tentent des choses aussi. Après, t'as toujours ce... Ben, après, c'est plus tout, beaucoup de films d'horreur, malheureusement, mais le côté intrigant, tu sais, où on te montre pas les créatures, on te montre... On te laisse, ben, comme The Thing, tu vois, tout simplement, où tu sais pas, en fait. C'est pas du tout la gueule. Après, Aigret, si t'aimes pas The Thing, si t'aimes pas, par exemple, The Witch, si t'aimes pas La Mouche, enfin, The Fly... Si t'aimes pas, je sais pas, les classiques comme ça, Shining, ou vraiment, oui, effectivement, c'est que tu n'aimes pas les films d'horreur. Mais après, il faut savoir que le problème des films d'horreur, c'est qu'il faut savoir que très souvent, en fait, c'est ce qui coûte le moins cher à faire. Donc c'est pour ça que t'en as énormément qui sortent, et c'est aussi pour ça que des fois, t'as des bons films d'horreur, mais avec une prod à chier. Donc voilà. C'est aussi pour ça que bah, moi je m'oriente là-dessus, c'est que je sais que, par exemple, les projets fantômes, bah, c'était facile à faire pour moi, niveau prod. Parce que, bah, en fait, j'ai juste à y aller, quoi, et le faire. Même les cassettes mystérieuses, bah, c'est ça aussi qui m'intéresse là-dedans. Bah, projet Blair Witch, ouais. À la base, on devait la voir, Mangazi. En fait, il y a un plan où tu vois la meuf dire... what the fuck is that? En courant. Et en fait, à ce moment-là, il y a une vieille à moitié à poil, etc. Mais on la voit pas dans le plan. Parce qu'en gros, bah, ils ont. En vrai, c'était pas scripté. Donc ils savaient pas où c'était, ils ont pas tout filmé. Et du coup, on ne voit pas la fameuse sorcière de Blair Witch. Enfin, la sorcière de Blair. Dans ce cas, je suis complètement d'accord qu'on serait grave dans la merde. Mais si on parle du principe d'un porteur de virus peut continuer à vivre tout à fait normalement et que la transformation ça fait seulement sur des gens morts, ce serait pas super dur à contrôler, je pense. Gabelle, ça, oui, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, je pense que tu imagines l'État plus puissant qu'il ne l'est. Et c'est ce que l'État veut. Mais si tu regardes, par exemple, le terrorisme, on n'est pas très efficace contre ça, parce que c'est très ciblé et très localisé, et tu peux pas le prévoir. Et du coup, tu auras forcément des gens qui vont faire de la merde. C'est un des trucs dans la BD Walking Dead qui est très bien traité, c'est que ça partira toujours en couille, parce qu'il y aura toujours l'affect que tu as par rapport à la personne qui se fait contaminer. Et que quand il faut tirer une balle dans la tête à quelqu'un et que c'est un enfant, bah, il faut le faire, point. Mais c'est pas simple. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui me fait rêver, c'est les films sur l'espace. Et ceux qui me font m'évader, c'est les films historiques avec de grands espaces. Et j'adore les films d'espionnage et conspiration. Les classiques de l'horreur, bien sûr. La Mouche, par exemple, j'aime bien, mais c'est quand même vieux. Il y a très peu de films d'horreur qui trouvent grâce à mes yeux depuis une dizaine d'années. C'est plutôt ce que je voulais dire, d'accord. Bah, essaye de voir Thelma, essaye de voir Hereditary. Essaye de voir The Endless, qui sont quand même vachement cool. Ghoul, qui est cool aussi sur Netflix. Mais c'est une série ? Non, c'est, ouais, c'est une mini-série, ouais, trois épisodes d'une heure. En vrai, ça passerait bien en film. Mais en série, c'est cool, parce que t'as une fin avec un cliffhanger. Et Le Chien des Bois, oui, on a vu Sans un bruit. Ah oui, Très bof. Pour moi, c'est... Je trouve ça moyen. Moi, je trouve... En fait, je dirais même médiocre. Pour moi, c'est... Plus ouais, proche, ouais, pour moi c'est du 11, 12, c'est vraiment pas ouf quoi. En fait, ah, ils avaient un gros potentiel, le problème c'est qu'ils gâchent dès le début, en vous montrant le monstre dès le début, et oui, après ça, le film contre, repose... Ça complètement con en fait. Le film repose sur le fait de montrer le monstre, en fait, c'est ça le problème. C'est que le monstre a une particularité, on se demande bien c'est laquelle. Puis il y a des petites incohérences que t'as dormé. Il y a une chier d'incohérences. Le côté, une cascade c'est bon, on se met là en fait. Et... Ouais, vous habitez là, enfin tu fais un... En fait, il y a un principe de, il ne faut pas faire de bruit. Sauf que à un moment du film, il vous explique que si le bruit est continu, c'est bon. Parce que ça fait un niveau de son augmenté toujours à cet endroit, et donc c'est bon. Donc pourquoi vous faites pas continuellement du bruit là où vous habitez, en fait? Et déjà, comment vous faites pour avoir de l'électricité? C'est vraisemblable qu'il y a un générateur. Où il est? Allez, à cet endroit. Ah, je sais pas. C'était pas terrible. Et puis utiliser une arme, c'est pas aussi facile que dans les jeux vidéo. Entre le bruit de recul, 90% des gens restent en état de choc après avoir vu dû tirer dans ces conditions. Puis c'est surtout que nous, on se dit c'est un zombie. Mais c'est pas des zombies, c'est des êtres vivants ramenés à la vie. Juste ça, je vous jure, pour avoir déjà vu ce genre de truc-là, quand vous voyez un animal mort, d'accord, et qu'il a juste des tressautements, mais vous savez qu'il est mort, physiquement il est mort, ça fait quelque chose en vrai, hein. La première fois, c'est tout con, mais on coupe une tête, la tête d'une poule et elle se met à courir, ça fait bizarre. Et là, on parle juste d'une poule. Imaginez que c'est un être humain avec le visage... Vous avez certainement jamais vu de cadavre, vous avez certainement jamais vu quelqu'un défiguré au-delà de... Et ça fait
quelque chose à voir. Vous le voyez, et en plus, il est vivant et il veut vous bouffer. C'est juste que vous, vous êtes habitué. Enfin, vous, moi aussi, hein, on est habitué à l'idée du zombie. Et puis, quelque mais c'est pas la même chose que la réalité. Et puis, c'est parce que nous, on a mis un terme dessus, on a dit zombie. Mais au final, tu vois, là, c'est pour ça qu'il y a le côté infecté qui est arrivé après. Telma, il y a un H entre le T et le. Parce que le côté infecté, t'as vachement plus de, d'impact psychologique que zombie, tu vois, maintenant. Non, non, Gabel, je dis pas. Je dis juste que ça rajoute une. Une quarantaine 2, nul à chier, je tiens à vous le dire. D'accord. bah, quarantaine 1, apparemment, est pas ouf. Mais du coup, je dis pas. C'est pas que je veux avoir raison, c'est juste. Je trouve qu'on simplifie un peu trop le zombie à l'idée du zombie. Or, l'idée du zombie, c'est. Rien, en fait. Et franchement, imagine, tu vois, genre, un proche. Mort qui reprend vie, quoi. C'est genre. Tu croises même un petit peu tous les jours, ouais. En fait. Je sais pas, ça doit faire vraiment bizarre. Hein. Après, j'aimerais bien que ça me fasse rien, mais en vrai. Je pense que je serais. Après, c'est ça que je le tuerais direct. Je pense que je le tuerais même si c'était pas un zombie. Ouais. Je pense qu'on dirait ça, a l'air de zombie. Pfff. C'est jamais. Mais moi, c'est state block. Ah. Oups. C'est comme ça que j'ai perdu un bout de tab. Cause de Maxime et ses attaques de zombies. Je tiens à dire que Dragon Quest 11 est sorti d'une certaine manière et que j'en suis bien content et que je vais tester, je pense. Est-ce que du coup tu as regardé Ghost Story? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé très décevant. Ah ouais? En fait, il y a plein de trucs qui pouvaient être bien et ils ont fait « Ah non, non, nous on veut un twist ». Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment tout le début du film est vraiment très sympa, mais tous les twists sont devinables dans les 5 à 10 premières minutes du film. Et du coup, bah, je me suis dit, ah non, ils vont quand même pas faire ça, et ils l'ont fait. Et du coup, j'étais très déçu. Mais du coup, c'est comme ça, hein, y a des jeux pas. Il y a des films pas un peu décevants, quoi. Mais après, il y a plein de passages du film qui sont cool. Toi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ouais, j'ai trouvé. Après, je vois pas trop le twist dont tu parles. Enfin, je vois pas trop en fait. Pour moi, il n'y a pas vraiment de twist en fait. Parce que, enfin, je sais pas si justement c'est parce que, en fait, du coup, c'est facilement devinable et du coup, pour moi, c'est pas un twist. Bah, si, c'est un twist. Attends, je vais couper le son pour pas vous spoiler. Merde, trop drôle. Ah, c'est pour ça que j'ai dit, mais de quoi il me parle? Ah, c'était drôle. Je parlais de Ghost Stories, et lui, il parlait de A Ghost Story. Trop bien. Donc, non, A Ghost Story. Je ne l'ai pas fini, parce qu'en fait, j'ai regardé avec ma copine. Alors, c'est un film très particulier. Ouais, et ma copine a fait, c'est chiant. Et du coup, j'ai fait, c'est vrai que c'est pas facile d'accès. Du coup, eh bien, je n'ai jamais fini, mais c'est pour ça qu'il est toujours là. Et du coup, je compte le regarder. Par contre, Ghost Stories, eh bien, il y a un twist. Et je pas terrible, battu, enfin, il est, si il est décevant. Il pourrait être bien. Désolé. Hein. Mais oui, surtout que, comme je te dis, le passage où t'as la nana qui bouffe une tarte pendant un quart d'heure, 20 minutes... Ah, c'est très particulier. Mais j'ai arrêté à peu près ça. Bah, de toute façon, c'était sûr, parce que moi, en fait... Ah bah, je comprends, dis, les gens, c'est pas simple. C'est sûr et certain que si ça passe pas... Si déjà, ils trouvent que c'est long, le début du film. Là, arrivé ce moment où elle bouffe une tarte, tu fais, c'est bon, c'est fini, quoi. Mais c'est dommage, parce qu'il se rend difficile d'accès. Mmh. Alors qu'il a l'air... Enfin, moi, il m'intriguait. Les ouais. Thématiques ont l'air très cool. Et par contre, c'est pas vraiment un film d'horreur. Enfin, c'est non, plus c'est un film... C'est clairement pas un film d'horreur. Ouais. C'est un film... Plus de SF, je dirais, presque. Ouais, enfin, fantastique, presque. Ouais. Je sais pas. Peu... Enfin... Ouais, pas thriller non plus, mais... Ghost Stories, du coup, je sais... Ça se trouve, je l'ai vu, mais ça me dit rien. Bah, si t'as pas compris ce que j'ai dit, tu l'as pas vu. Désolé. Bonne nuit, Zeich. Hop,
Non, effectivement, je ne l'ai pas vu, mais je le regarderai juste pour le plaisir. Ouais. Désolé. Non, bah, de toute façon, c'était facilement devinable. Bah, je pense vraiment pas que tu... Enfin, tu verras. En vrai, je pense que si un jour il doit y avoir des infectés, ce serait plus dans le genre de I'm the Legend. C'est pas des... Ah oui, si, dans le film, c'est des infectés. Mmh. Ça porte pas la lumière et tout, ça. Le film est vraiment pas terrible. Ouais. C'est dommage, parce que le livre est vraiment excellent. Et ce ne sont pas des infectés dans le livre. Ce sont les vampires. Parce qu'il en zombie, je le bute direct. Bah, je te buterai avant, en fait. Ça, le problème. Déjà que dans les situations de stress en groupe, il y a des gens qui font n'importe quoi, ils se mettent à crier, bouger dans tous les sens, etc. Je veux même pas imaginer. Ah, mais c'est ça en fait, hein. C'est ingérable les gens. Genre, pour vous donner une idée, pendant un tournage, nous on a été face à un truc de stress où il fallait vraiment agir d'une certaine manière et pas d'une autre, sachant que tous les gens qui étaient présents étaient informés de ça, et il y a quand même des connards qui faisaient du bruit, alors que si on faisait du bruit, réellement, notre vie était en danger. En tout cas, la vie de la personne qui était toute seule dans le noir, qui s'appelait Maxime Robinet. Et du coup, bah, y a quand même des gens qui faisaient du bruit. Hein. Y a quand même des gens qui faisaient de la merde. Et des gens qui sont. Ah, oh, on y va ? Et du coup, ça fait genre, oui, mais là, en fait, non. Parce que, genre, c'est dangereux à mort. Et voilà. Moi, ce qui m'irait, je le bute direct. Bam ! J'ai appelé la police. Merci pour mater ça, Maxime, tout à fait. En pas vraiment d'horreur, il y a Get Out, c'est de l'horreur. Pourquoi ça serait pas vraiment de l'horreur? C'est de l'horreur, carrément. C'est vraiment un film d'horreur. Pour le coup, ça répond... Mais il est vraiment très bien. Moi, je l'ai vu avant sa sortie en France, mais il est vraiment bien. Ouais, c'est un peu horreur-thriller, comme un peu... Ben... Ouais, si. C'est de l'horreur. Les thématiques, c'est vraiment du surnaturel, du machin, etc. Donc, Oui, mais de toute façon, dans tous les cas, t'as... Je peux pas raconter quand même. Sinon, je raconterai. Je ne peux pas raconter l'anecdote, désolé. Alors, c'est très simple. En fait, il a pris de l'Ice Tea et il a mis de la Monster. Et ça a fait de la barbe à papa. Et dire que The Walking Dead, 28 jours plus tard, et plein d'autres films d'Apo qui ont copié le jour des Triffides, la scène d'intro limite copier-coller pour ceux qui savent, limite, ça fait que le perso se réveille dans un hosto, ça devrait être rejeté le jour des Triffides. Le jour des Triffides ? Ça ne me dit rien du tout. Rien non plus. Days of the mais putain, mais non, ah, mais... Ah merci beaucoup, Asgarath. Ce live de l'insomnie. Ah, bah oui. C'est le but. Vous accompagner durant cette belle nuit. Oui. Il y a un film aussi, du coup. Qui date de... La série ou 2009, série. 2009. Putain, avec machin. Je sais plus son nom. Raconte-le en anonyme, on saura pas que c'est toi. C'est pas le problème de... C'est moi, c'est... Tu remets un vote par-dessus. Ouais, c'est ça. Mets le curseur de la souris devant toi, tu seras anonyme. Merci. C'est pas le fait que je sois anonyme qui pose un problème. C'est l'anecdote en soi vous révèle des choses que je ne peux pas vous dire. Pour le moment. Pour le moment. D'ici 2 ans, vous saurez. Peut-être 4. Faut rester là. Hein. Restez branché en ligne. Restez abonné pour savoir. Si vous ne savez pas, voilà. Oui, ou un sondage. Non. Vous aurez une grosse photo de Zach. Qui montre son pénis aux gens. Bah, c'est le moment où ça a pété. Hein. Raconte-nous une autre anecdote, d'accord. Une anecdote que je peux vous raconter. Quand on tournait avec le vieux à poil, dans McCornish, épisode... Deux. Il s'appelle Claude d'ailleurs, on va peut-être arrêter de l'appeler vieux à poil. À un moment, en fait, il était du coup, il avait amené un peignoir pour être tranquille, et du coup, il a tiré le peignoir, et il fait mais si c'est plus pratique, enfin, je peux me mettre tout nu. Et du coup, il l'a répété vraiment plusieurs fois, ce qui nous a beaucoup fait rire, et du coup, on aime à penser qu'il voulait vraiment être tout nu.
Et on va retourner avec lui. Enfin, on a déjà retourné avec lui, il est dans le Seuil de l'étrange. Mais on retourne avec lui bientôt. Et vous saurez certainement pourquoi en regardant la FMVSM. Non, et ça restera. Le vieux up, ouais. Pauvre clone. En vrai, il est super content parce qu'il avait vu il avait eu des concours créa sur McCorniche et il était très content d'être dedans et tout ça. Ah ouais, il a suivi ça et tout. Ah bah oui, parce qu'on lui a envoyé qu'il était dedans quand même. Il était vraiment content. Zach, raconte-nous comment tu as été amené à faire du Ice Tea Monster. Mais j'avais pas le choix en fait, j'avais trop de trucs dans les mains et du coup j'ai dû faire un choix. J'ai tout mélangé du coup, puis j'ai fait bon bah allez. Il est tout nu dans le Seuil de l'étrange, j'espère. Pas dans le Seuil de l'étrange. C'est pas comme si tu venais de dire dans quoi il était. Oui. J'avais un truc à dire en plus, une vraie anecdote, et je viens de la zapper complètement. Merde. Je suis trop deg. J'avais une vraie anecdote et je m'en rappelle pas. Tant pis, vous avez perdu une anecdote qui était pourtant bien fameuse et fortement coquine. Mais c'était, c'était le mot de la fin. A bientôt. J'ai même le fait de mettre un quart d'heure à cliquer sur c'est ça. C'est genre le mec qui cherche et tout. Ah, mais attends, elle est où là? Zach, raconte-nous une anecdote sur ton zizi. Oula. Bah Vous voyez une vache? Non. C'est le truc qui fait du coton. Vous voyez une chèvre? Ah, ça je connais, ça pique quand tu touches. Non, ça a plein de piques, c'est ça? Ça passe deux des fois sur la route. Ça passe des fois sur la route. Un humain, une vieille? Je crois une que. Voiture, une voiture? Une fois pendant un tournage, je descendais d'une route et j'ai failli écraser un chat et j'avais pas le choix de... Je ne pouvais absolument pas dévier ma route, je vous explique, parce que il pleuvait et il faisait quasiment zéro en montagne avec un précipice à ma gauche. Et du coup j'étais à une vitesse normale, hein. Je précise, c'était une route à 90 et j'étais à 70, sauf que le chat a fait un aller-retour sur la route. Et du coup, j'ai fait « Oh non !» Et ouais. Non, il s'en est sorti. Enfin, mais bah, t'as de la chance. Enfin, il a eu de la chance. C'est oui. Moi, en fait, un coup, je partais à Nigloland, au travail. Et, c'est quand même trop drôle que t'aies travaillé à Nigloland. Meilleur endroit du monde. Et du coup, vers genre 6h du matin, je pars. Moi, je commençais tôt le matin en restauration. Et du coup, je sors du village. Et genre, t'as un chat qui court sur le côté, tu vois, à côté de la bagnole. Putain, et du coup, je m'écarte, tu vois. Sauf que il fonce vers la roue. C'est et il chiant, est mort ça. Sur le coup quoi. Enfin, tu sais, t'avais justement comme tu disais les petits moments, les petits derniers. Les petits stressos. Bah en fait, c'est horrible à voir ça. Franchement, c'est genre vraiment. De truc où tu te dis merde, je fais vraiment attention. Oui. Et une fois aussi plus, avec Kevin, on revenait. Mais tu sais la grande montée qu'il y a quand on revient de Saint-Dizier. Il y a une grande montée à un moment, 70 ouais. Et tout. Et ben bah, tout en haut de la montée. Donc t'as bien poussé ton moteur et tout. Il y a un blaireau qui sort. Et qui arrive genre juste devant ma voiture quoi. Et j'ai fait un putain d'écart pour l'éviter parce qu'en vrai je pense qu'il était trop gros quoi. Je pense que ma voiture aurait fait poum et on se mais tu sais que même un lapin en vrai ça peut te ça peut te brayer ta bagnole. Ça existe encore Nigloland? Bah oui. Bien sûr. Faut qu'il gagne. C'est un des meilleurs parcs de France en plus. C'est vrai en plus. Non. Si. C'est dans les meilleurs parcs de France. Non niveau chiffre, pas niveau. Pas niveau qualité. Si, au niveau qualité. On a Disneyland Paris, Astérix. Il est dans le parc le plus propre et tout. Walibi et... C'est, en fait, le côté propreté et tout, en vrai, c'est dans les meilleurs parcs de France. Mais c'est une horreur, les gars. Attends, c'est Walibi, ouais attends, c'est Walibi. C'est Walligator. C'est le même truc, non? Il y a plusieurs trucs. C'est Walligator, c'est genre l'un des pires. Ah, c'est possible. C'est l'ancien Schtroumpf machin. Oui. Oui, bah c'est ça, c'est un des pires. Ah, il paraît. Mais moi, je confonds souvent les deux, alors c'est possible. Parce que franchement, j'y étais une fois et c'est genre. C'est une catastrophe. Genre, j'y étais un grand 8 et c'est tout en bois et le truc il tient pute et que tu trembles comme ça, tu fais. Trop bien. Ouais, Walligator, du coup. Je pense que c'est. Tu vois, si t'as envie de te suicider, tu vas dans des mais vraiment, en plus, t'as vraiment l'impression que tu vas crever et tu ressors, t'as mal au cul, quoi. Eh, Nori Kuradake, c'est moi. En plus, le mode qui est vérifié. Tu sais, puis c'est un peu en fait, comme si t'avais pris Theme Park
Et qu'en fait, tu quand tu prends des attractions, tu les places un peu n'importe comment, tu vois. Genre, voilà, tiens. Natasha Roubaix m'a toujours pas répondu. Putain, mais... Quel dommage. Hein. Je pense qu'elle vit pas en France. C'était lui, non? Ouh là, oui. C'était pas lui, si. Non. Si, je crois que c'était lui. Ah si, si, il a changé de photo de profil depuis. Attendez. C'était pas la meilleure idée de prendre du dessous, hein, quand même, la photo. Sa photo est dégueulasse. Genre, bah, non, il aime bien, hein. À chaque fois il posait comme ça. On va vous montrer un profil Facebook de qualité. N'hésitez pas à rajouter cette personne. Elle sera ravie de vous pirater. C'est lui. Non. Ah non. Tu te rappelles? Si, c'est lui, hein. Merde, oui, si, si, c'est ça. Qui est amoureux de la chanteuse. Laura Pausini. Travaille chez Laura Pausini. Putain. C'est peut-être vrai, hein, on sait pas. Hein. La photo de quand il fait une pétanque, mais en plus pris avec un 3310, quoi. Oh, putain. Putain, j'essaie de retrouver la photo, elle était assez légendaire. C'était la photo où il se prenait en photo. Film. Merde, dit... je la trouve pas. Flim qui dit bonsoir tout le monde, il se passe quoi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Bah c'est exactement ce que j'ai... ce qui est arrivé avec Maxime. Moi j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Et ça a pété. Putain, il a retiré sa photo, mec. Laquelle? Je vois pas laquelle de... Je me rappelle pas la photo. Ah, où il est à côté en vue photomontage. Il est, en fait, il a fait ça. En gros, sur sa photo, hop, il est comme ça. Et ah, en gros, il se prend en photo, en selfie, dans un miroir, et après il a recadré sa tête. Et du coup, en gros, bah, sa photo est immonde niveau qualité. C'est genre des pires. Mais par contre, il a gardé la photo. Parce que la photo de profil, c'est toujours la photo où justement il a. Oh mec, oh, putain. Regarde, c'est trop bien. Putain, on est sur le bas du bas du. Oh. Ah, je peux pas vous montrer parce que ça serait pas respectueux pour eux, mais ils ont vraiment des têtes de sac à foutre. Mais non, ils ont vraiment des têtes de... J'ai Tinder là de réinstaller. Non, mais c'est trop bien parce qu'en gros, on est sur un faux compte Facebook d'une meuf, mais vraiment une... Vraiment une meuf fake, c'est quoi. C'est clairement fake, quoi. Et du coup, ça fait genre smiley sourire. Attendez, il y a quelqu'un qui met... Tu es trop belle. Donc, un mec... Bah, un mec, voilà, c'est Jean-Michel Vieux, quoi. et du coup, il dit, tu es trop belle. Elle répond, merci bébé. Lui, il répond, tu es magnifique. On peut faire connaissance si tu veux. Et il met son putain de mail sur Hangout. Mais en fait, je pense que c'est deux comptes fake. Ils discutent entre eux, tu vois. C'est ça. Parce qu'en vrai, tu vas voir drôle, que... Ouais. Et du coup, après, elle répond, smiley sur Instagram, hein, tu es un homme à femme, bébé. Je le sais. Lui, il fait non, pas du tout. Elle répond, explique-moi, donc je ne comprends pas, bébé. La moitié de tes amis sur Facebook sont des femmes. Tu es trop belle, mon amour. Ça fait j'ai vraiment... des amis hommes aussi. Viens voir Hangout. Et c'est vraiment des faux comptes. Ça fait vraiment les faux comptes qui se parlent. Et il y en a un où il y a une musique. 10 roses pour toi. Je vais vous lire le texte. Tu reçois ceci. C'est du coup. Attendez, je vais vous mettre la vidéo. En fait, il dit tout ça pour moi. Donc c'est pour vous, hein, les gens. Vous partagez pas, hein, les gens. C'est de vous à nous. D'accord? C'est un peu notre amour qu'on partage. 10 roses pour toi. C'est pour vous. Si tu reçois ceci, c'est que tu comptes beaucoup pour moi. Je t'offre... Par contre, je vais baisser la musique, parce qu'on pourra pas m'éterner. Une rose pour l'amitié. Une autre pour l'amour. Une pour l'argent. Une pour le bonheur. Une pour la popularité. Putain, ça fait beaucoup de roses quand même à la fin. Une pour la connaissance. C'est quoi cette vidéo? À qui t'envoies ça? C'est super chiant. Une registrée. Une pour la beauté. Une registrée Power Video Maker. Une pour la famille. Une pour l'honnêteté. L'honnêteté. Vas-y, dis oui. Et une dernière pour une longue vie. Fait beaucoup de roses, hein. Le message initial dit que... Tu ne dois pas garder ce message, tu dois l'envoyer. Attends, le message initial de quoi? Si tu envoies ceci à deux personnes, ton souhait se réalisera durant l'année. Oh,
Je l'ai envoyé à plein de personnes, du coup. À 5 personnes, et il se réalisera dans les 3 mois. Et 15 et plus, il se réalisera demain. On va se réaliser demain. Je ne suis pas superstitieuse, mais je crois en une chose. Et c'est un mec qui a envoyé ça. C'est qu'il est toujours agréable de recevoir des fleurs. Alors, envoie des fleurs, même à moi qui t'ai envoyé ce message. Mais ouais, merci à l'avance. Merci à l'avance. C'est beau. Franchement... On va regarder plus de vidéos de merde comme ça. Ouais, c'est dur à trouver, en fait. Faut aller sur Skyblog. Allez, commencez à travailler chez DHL en tant que comptable. J'aime mon travail. Envoyez-nous vos vieux Skyblog. On va les regarder. On va les noter sur 20. Attendez, sur le compte du mec, on va trouver d'autres trucs, je pense. Mais c'était dans quoi que j'avais vu ces photos de merde, là? Il y avait des photos de pétanque, mais il y avait des photos où il se prenait en photo, lui, quoi. Parce que c'est de la photo... Parce que lui, il met que des photos de Laura Pausini. Et genre, vraiment. Genre, vraiment, son compte... Je vous le montre pas, hein, parce que c'est... Voilà, c'est une vraie personne. Mais genre, et il like un truc qui est Angela Magana. Qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Un concert le 8-12. Non, c'est... Ah non, c'est une... C'est une boxeuse. Quoi? C'est une boxeuse, elle est likée par 600 personnes, mec. Il like. La peau et Energia Inédita. Il like que des trucs de Laura Pausini. Enfin, sauf Jennifer Lopez, qui est pas vraiment Laura Pausini. Enfin, peut-être, on sait pas, en fait. Rosanna Cassio. Poème d'amour dans ses livres. Tel Aviv, Institut de beauté coréenne. Sexy Disco Ecclesia. Sexy Disco. J'aimerais beaucoup vous montrer une photo de cet homme. Mais je pense que c'est illégal. Faire les petits effets Facebook par-dessus la photo de profil. Ouais, ça, c'est d'une qualité extraordinaire. Et il a énormément d'amis Facebook, en fait. Il a un membre de famille qui n'est une fausse personne, qui travaille à Harvard. C'est trop bizarre. J'aime bien leur gag qui dit « Le pire, c'est quand les deux faux comptes qui communiquent sont gérés par le même mec chelou. C'est le mec, je sais pas s'il l'oublie. Mais c'est une collection de faux comptes qu'on a là. Putain, alors, en fait, on peut... Mais il y a une chier de gens qui ont en image de profil Laura Pausini, c'est trop bizarre. C'est le fan club de Laura. Putain, il y a des gens en plus, faut pas mettre cette photo là en... Ça fait juste peur, en fait. Non, mais franchement, là, regarde, depuis tout à l'heure, c'est que des Laura Pausini. C'est pour que justement tu dises pas, ah, oh, c'est un faux compte. C'est Laura Pausini, c'est vraisemblablement elle. Mais il a combien d'amis? Attends, lui il en fait, c'est le genre de personne qui accepte tout le monde. Oh! Je peux pas vous montrer, ça me fait chier. Il a 1000 amis. Comment il fait pour avoir 1000 amis? Et c'est le genre de mec qui accepte tout le monde, quoi. Je sais pas. En même temps, c'est un vieux. Hein. Mais j'accepte tout le monde et j'ai 2000 amis, mais. Mais regarde, Laura Pausini, Laura Pausini. Je te dis, il y a Laura Pausini partout. C'est pour ça qu'il a ajouté toutes ces personnes-là, parce que c'était Laura Pausini. C'est peut-être elle, en vrai. Laura, enfin, tu m'as retrouvé. Bon, du coup, Natacha... Natacha, mais je suis trop laid. Elle aime deux choses, l'Empire du foot et Tu vas rire. Ah oui, c'est une vraie femme à homme. Mais du coup, je suis deg parce qu'elle a rien liké. Attends. Elle travaille chez DHL. Ah. Non, c'était pas lui. Mais putain, pourquoi je trouve pas... Eh, n'empêche que j'ai 3 amis en commun avec ce mec-là. Comment c'est possible? Et c'est qui, lui? Diplôme en MTC, acupuncture, shiatsu, tuina, maître en ces matières et à énergie chinoise. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de Tinder pour faire des lives Tinder. Oh! Regarde celui de gauche. Oui! C'est un faux asiat. Non, c'est quoi? C'est un... On dirait... Ses sourcils, en fait, ils sont mais pas regarde, collés. Il a un œil mort. Et il a ses dents, en fait, c'est comme s'ils partaient tous comme vraiment vers l'avant, mais sauf ses incisifs qui sont genre 5 cm derrière. En fait, je sais pas si c'est pas une dent pétée. Ses sourcils s'arrêtent pas droit ici et partent vers le haut. C'est un petit moine Shaolin, quoi. C'est ouf. En plus, les petits cordons à lunettes, alors ça. Ça, le cordon à lunettes, c'est un gars et une fille. Pourquoi ils font ça? C'est pas une fille. Ils mettent un gars et une fille sur. Enfin, j'espère sincèrement que c'est pas une femme, mais ils mettent un gars et une fille sur deux potes. C'est trop bizarre. Ah, une pomme d'Adam, je pense. Waouh. Trop près. J'ai travaillé avec des gens qui ne connaissent rien à la protection sur Internet. Et en gros, ce sont des gens qui sont juste... qui ont juste la culture télé et la radio, c'est-à-dire qu'ils sont enclins à croire la majorité de ce qu'ils voient sur Internet. Et ils n'arrivent pas à repérer les critères des fakes et arnaques. C'est plus triste qu'autre chose, parce que beaucoup se font arnaquer. Oh Attends, mais c'est lui, en fait.
Ah, c'est vrai que c'est... En fait, c'est trop bizarre, ces dents de devant sont en arrière. T'as vu, on dirait vraiment qu'elles sont en arrière. Oh. On dirait que t'as pris un filtre Facebook et ça fait sur ses yeux. Non, puis même les... Mais même à l'époque, hein, regarde, ça date d'il y a longtemps. Par contre, ouais. Il y avait ses dents normales, regarde. Oh, il y a vraiment eu un accident ouais. Sur sa dent. Mais il y a vraiment un côté... Par contre, plus jeune, ça passait plus en mode à la cool, tu vois. Oh. Le mec, il aurait nouvelle coiffure, nouvelle barrière. C'est ouf. Mais je peux pas vous montrer. C'est irrespect... C'est irrespectueux, les gens. Oui, et puis en plus, il y a le nom qui apparaît quand même, donc bon. Eh, mais c'est. Ça, c'est à Boulogne. Ah non, non, c'est du gravier. Oh merde, mais ils sont. C'est attends, il y a attends. Des gens laids. Attends, il est aveugle. Il a une canne d'aveugle. Merde, il est aveugle. Mais c'est pour ça, ses yeux. Mais il y a un putain de strabisme en fait. Il y a un strabisme divergent. Je voulais essayer, c'est pas convergent. Et attends, il faisait partie des Beatles avant. Hein. Quelle magnifique coupe de cheveux, la vache! Trop stylé, le frangin! Dis donc, la classe, vous étiez beau gosse à l'époque, Guy. Moi, j'exige la même prochaine fois que je vous vois. C'est pour ça que je me disais, il avait un peu, tu sais, la même mimique que... Que comment... que sous les tropiques, là. Oui, tu sais... Alors, ça, c'est il est avec une gamine. Qui est relativement laide. Quand je dis une gamine qui a 5 ans, vous voyez. Ouais, tu sais, qui a perdu ses dents de lait et tout. Qui a perdu ses dents de lait et donc elle a 2 dents de devant en moins. Mais lui, en fait, derrière, il fait une tête genre abominable et la photo est juste horrible. C'est vrai qu'on dirait vraiment genre. T'avais aimé, hein. Coucou, c'est Citrouille. Salut, c'est Citrouille. On se moque de gens vieux et moches. Regarde ça. On se moque de compte Facebook. Oh, putain de merde. D'habitude, on est sur Tinder, là, on fait Facebook. Alors là, il y a un salon. Bah en même temps il peut pas voir ce qu'il achète. Ah mais là il y a sur une sorte de commode hein, il y a tous les objets que vous avez eu dans toute votre vie mis à un seul endroit. D'accord. Et ils sont tous en verre travaillé moche. Et il y a le genre truc qui a vieilli en fait. Il y a genre combien de cadres. Tu sais c'est genre vous retrouvez un carton dans votre grenier avec plein de vieux verres qu'on vous a refilé, tu sais que vos grands parents vous ont refilé. Et puis vous regardez ça, puis vous faites « Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est moche en plus. Bah, jamais je les mettrais. » Et ceci vous les remettez dans un carton. Et là, lui, il a avec le public. Donc moi, je vous invite à dire que finalement, c'est vrai que quelque c'est vrai. Public. Moi, je savais pas, hein, d'accord. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de, bien évidemment, on va rogner pour pas voir son nom. C'était déjà trop tard. Bon, surtout, vous fermez les yeux le temps qu'on efface son nom. S'il vous plaît, fermez les yeux, là. Faites pas les bien puces. Sûr, vous ne notez pas, vous ne l'ajoutez pas en ami. Il a déjà beaucoup trop d'amis, de toute manière. Il serait capable de vous ajouter. Voilà, un respect. Hein, mais... C'est le mec, il coupe, mais trop. Ah merde, j'ai tout coupé. C'est bon, vous verrez pas, là. On coupe un peu on voit clairement le nom. Ils ne savent pas, ils ne savent pas utiliser internet. Tu sais que ça bouge en plus sur la taille de la photo. Regarde. Là on le voit. Regardez. On le voit clairement. Attends, je vais changer, je vais couper, on verra pas. T'inquiète, si. Voilà, c'est pas beau ça. Et là tu passes la photo d'après, c'est fini. Non, regarde ça. Ah, ça va. Elle est pas mal celle-là. Donc voilà, regardez ça, cette déco. On parle pas des gens, hein. Vous voyez, ça, c'est beau, non? Là, on est sur quelque chose. Et il a toujours son porte-lunette. Mais tu sais pourquoi il a un porte-lunette? Parce qu'il est aveugle. Non, mais c'est pas pour se moquer. C'est, oui, c'est vrai que c'est vrai que là, du coup, ça a un sens. Comme ça, il perd pas ses lunettes. Il sait toujours où elles sont. Et en fait, en fait c'était juste un costume. Hein. C'est un cosplay. Oh. Moi, j'aime bien parce qu'ils mettent... Enfin... on dirait qu'il y a une main qui... ils mettent les photos de toute leur vie. Il avait la classe, regardez, avec son... petit cigare, là. Regardez et pas il jouait du piano comme l'autre. Mais il est pas vraiment aveugle là, à mon avis. Parce que, enfin, faut pas être aveugle pour maîtriser ça quand même. c'est le genre de truc, tu vois, si t'es aveugle, je pense que c'est complexe. Mais tu sais, il a bien Facebook, hein. Mais après, il y a les synthèses vocales. Si vous voyez sur une des photos, merde, c'est bon. Ah mais en même temps, c'est quelqu'un public, oui. Putain, celle-là, cette photo, elle envoie sa mère. Franchement, depuis tout à l'heure, les photos envoient sa mère. Mais après, ils ont loupé les premières. Hein. Qui étaient vraiment. N'empêche pas que le château, il est ouf, hein. Ils sont quand même. Ah.
Alors attendez, je vous lis le commentaire sur le côté qui est quand même écrit en grande majuscule entièrement. Hein. Si un jour tu repasses dans ce lieu, tu me fais un signe et on se fait une bouffe, Pierre, cherche. Attends, point d'exclamation, pourquoi... point d'exclamation, point d'exclamation, cherche. Pourquoi cherche? Je comprends pas, pourquoi cherche? Qu'est-ce que c'est cette photo en plus? Pourquoi il est bossu? Eh, c'est très joli quand même comme endroit. Moi j'aimerais bien y aller. Mais tu sais que en vrai je crois savoir où c'est et. Enfin bref. Du coup. Oh la collection là. Ils sont tous magnifiques. C'est quoi c'est. Eh, le mec il se rend compte quand même qu'il a un énorme trou au niveau de sa batterie. Genre la couverture est complètement accessible. Mais c'est Eric ça, hein. Dans 5 ans. Dans 5 ans c'est Eric. Mais non, ça a été pris hier. Ça c'est Zach. Regarde la date. Ils peuvent pas voir mais. Ça a été pris hein. Je vous lis les commentaires. Oula, je connais bien Philippe et Christophe, ils ont bien changé. On a le droit de te chambrer un peu, Marc, amitié. Oh, mon petit papa. Oh la vache, Marc. Peut-être que je t'ai connu petite. Quoi? Momo, il y a du dossier, là. C'est qui, Marc? Allez, d'accord. Putain. Il joue de la basse. Hein. Je vais faire une remarque un petit peu. C'est un peu Eric, hein. Bref. Ça va, vous? Oh, ah. Oh. Allez, Jean, il y a des photos. Non, mais en fait, ce que j'aime bien sur cette photo, c'est que tout est beau. La table est immonde, la porte est immonde, le carrelage est dégueulasse, il est mal fini, la bouteille de coca a l'air dégueulasse, le gobelet est moche, tout est immonde. Comment vous faites pour prendre ce putain de photo, quoi? C'est juste. Genre, en plus, ça demande. Non, mais ça demande une qualité. Incroyable d'arriver à prendre ce genre de photo là. Non mais en plus ils ont clairement beaucoup trop chaud. Mais voilà, Véronique, là, voilà. Maquillage. Le sourire du dimanche cool, extra, merci Guy. Guy en plus, qui s'appelle Guy? En plus il s'appelait même pas Guy le mec. Ah si c'est Guy. Si c'est vrai que c'est Guy machin. Qu'est-ce que c'est que cette photo de merde? Les mecs ils ont un... Non ils ont un problème, on se moque pas, mais non on se moque pas. Non on se moque pas. De toute façon, c'est quelqu'un de ma famille, donc on a le droit. Comment tu... Pourquoi tu mets cette photo là, toi? Mais il voit pas. Mais si, il voit, il a l'air pas aveugle. Non, je pense qu'il est malvoyant. Oui, il est peut-être malvoyant, ouais. Les aiglons. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont une page Facebook, les aiglons? Mais non, le message, c'est bon, techniquement, c'est à peu près bon. Donc là, bon, on voit clairement ça. Bah là, par exemple, vous voyez, ça, c'est une photo tout à fait correcte. En plus, il... Bah là, là c'est bien. C'est déjà mieux, ça. Elle fait un peu peur. Là, ça va. Ça, là, cool. Ça va. Là. Ça, c'est cool. Là ouais. D'accord. Johnny, il a deux guitares et tout, c'est cool. Alors, les premières étaient plus... Oh. Non, là, c'est... Non, ça, c'est... En ces périodes-ci, il y en a qui se sont arrêtés. Et attendez, en commentaire, tiens, Arafat. Ah non, c'est Arakiri. Lui, Yasser à rien. Un Pierrot halal. Attention à la manche. Putain, mais ça finit. Il y en a con. Cette photo, par exemple, pue la merde. Celui-là, t'es clairement en train de vendre du... Qu'est-ce qu'il y a, là, sur cette photo? Parce qu'en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont en train de faire un concert, mais en même temps, ils vendent leurs instruments. C'est fou. Genre, tu sais, t'es en train de jouer. Non, je voudrais vous acheter ça. Tu sais, hop, le mec, du coup, t'es obligé d'arrêter de le fier. Oh, quelle horreur. Ah, c'est les balles, hein. T'as déjà été là? Oula, oh, oh, oh. Elle est pas mal, celle-là. Je choisis, c'est vraiment une photo. C'est vraiment. Attends, y a quelqu'un d'identifié sur la photo. Hein. Ah non, elle a pu marcher. Ah. Ah, je reconnais ça. Ça, c'est Johnny Hallyday. Ah non. Ah non, putain, c'est Johnny Steve. C'est un... Putain, il faut qu'on aille sur la page de Johnny Steve, maintenant. C'est lui ou c'est une poupée... C'est... On dirait un truc en plat... C'est vraiment quelqu'un, ça? C'est lui, hein. Il ressemble vraiment à... Oh, putain, c'est quoi cette photo? Eh hey. On a fait le tour. Et lui, regarde, il est deg. Merde, il est deg. Reebok. Putain, c'est vraiment t-shirt de l'enfer. Et on retombe sur la même photo. C'est rigolo. C'est une sorte de course. Bah oui, il est là. Putain, il est là.
Avis très important, HLRP. Le concert de Pierre qui devait avoir lieu, le machin, est annulé. Explication plus tard, mais pas sérieux. Mais il y aura vite au pub lieu, machin, etc. On n'a pas les explications. Merde, il y a le lien de notre cher ami. Tu es superbe sur cette photo, ton ami Marco. Mais tu sais, t'as pas besoin de signer, connard, il y a ton nom. Il y a carrément photo. Un site. T'as vu? Du coup, c'est un site, là. Ah, il est pas... Eh, regarde. C'est pas buggé. La Kamka, en fait, il voulait écrire l'agenda. L'Alkamka. Non, ça va être le nom du truc. Ouais, c'est... Merde, de Champagne Ardenne. C'est pour ça que t'as des amis en commun avec. Contact. L'ivoirien. Parce qu'il... Il est aveugle? Non. Non, c'est parce qu'il est ivoirien. Eh mais... Et du coup, on peut aller le voir ce soir, peut-être. Oh un live avec lui, ça vous dit? Le 6 août 2011. Son programme, il date de 2011. Il est mort. Oh. Bon, y a pas de droit là. Attends, on est. C'est on est. Reprise, ça. Fatiguant, hein, de rien faire. Ouais. Je sens que je vais être très fatigué ce soir et je vais aller me coucher. À moins que j'aille à l'hôpital, on sait jamais, hein. Ouais. Alors, vous savez, quand je suis fatigué, qu'est-ce que je fais moi? Oh. Et je me repose dans mon rocking chair. Je me repose dans mon rocking chair. Oh mais y'a maman qui fait le repas. Mais ça fait un accent, ouais. Oui, c'est bizarre. Et moi je me repose. Tu sais, ça fait un peu Zambla. Dans mon rocking chair. Quoi, ça sert à rien. Bon. On a trouvé le nouveau Zambla. Bon. Quelque part, ça me fait quelque chose. Attends, one man show, one man show. Wow, wow. Non, en ambiance, ça, par contre. Ah merde, c'est une autre page. Musique vivante. Ça m'est complètement pété, à moitié dans sa bière. Mais si vous êtes là. Rock and roll. Ouais. Laisse un peu le public. C'est enregistrement live. T'entends le public derrière? Fais gaffe au public. D'accord. Ça va, c'est chill. Ce soir. Le blues du soir, du soir. On chante ça dans le noir. Bon, on va continuer notre visite. Hein. Du coup, tu leur as pas montré... Ouais, on va retourner en arrière. Attends. Tu leur as pas montré le fameux profil de... Attends, elle était là, Natacha. Natacha. Non, Natacha. Natacha. Enfin, on voit son nom, on voit son nom. Où ça? Ah merde, mais on s'en fout. Attendez, c'est qui? C'est Natacha. Mais tu l'as toujours pas... Tu l'as plus en demande d'amis? Non. Mais après, je vais avoir un milliard de gens en demande d'amis, c'est des vrais gens, ça. Oh bah non, non. C'est pas possible, Maxime. Personne n'a autant de demandes. Personne. Attendez, on va sur ma page d'accueil. Désolé, hein, les gens qui postent sur leur Facebook et qui pensent que c'est privé. Natacha. Non, c'est regarde, c'est public, là. Attendez. Je fais un truc pour la retrouver. Ah, c'est elle. C'est Natacha Roubaix. C'est bon, on l'a. Donc voilà. Ce genre de faux compte. Natacha Roubaix. Voilà.
Donc clairement une vraie personne. Garantie. Mais d'ailleurs, je l'ai pas. Enfin, elle m'a toujours pas ajouté en fait. Je lui ai fait envoyer une demande, elle m'a pas ça ajouté. Ouais. Putain. Je suis un peu déçu. Moi non plus. Ah, attendez, j'ai pas accepté l'invitation, c'est pour ça. Peut-être qu'elle me répond pas. Donc voilà. J'aime mon travail. Donc, il y a que deux personnes à qui elle parle. Donc, c'est Pierre-Auguste Machin et Manet Delarue. Qui est... Tous ces trucs sont en public, donc on a le droit. Ouais, de toute façon, tu pourrais pas aller, sinon tu pourrais pas les voir. Donc, quelque part. Donc voilà. Et donc, c'est le genre de personne qui aime beaucoup les filtres Facebook et. Comme on l'a dit, hein, Laura Pausini, qui a quand même comme photo de couverture ça. Donc là, c'est peut-être Laura Pausini, mais là, c'est sûr que non. Ça, par exemple, c'est très bizarre comme photo de couverture. Et surtout quand il regarde. Mais donc voilà. Oh mon dieu! Oh mon dieu. Tu es la plus belle, normale, t'es ma cousine. C'est Francky Vincent. Je suis très belle. Lol, mon cousin Manet. Oui, une princesse, t'es une miss. Merci mon cousin Manet. Tu fais partie des plus belles femmes. Merci Bougo. Du coup, tu mets ta tu cousine. Es la plus belle. Oui, ma cousine. Tu es une star. Merci. Smiley, des bisous. Il continue dans les trucs, tu es mon ange, j'espère que bientôt tu viendras, moi je te montrerai te voir ce Moselle-ci. Quand tu dépends, on ira voir la fille, pourquoi, ok? Quoi? À côté de toi, c'est des amis et Laura Pausini. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Qui met des photos de ses amis et sa cousine en et sa cousine et Laura Pausini sur... sur sa couverture Facebook. Et en plus, c'est, genre, c'est un peu malsain, la relation qui est exposée. Mais comme ça. Toi, tu es au top. La danseuse, c'est une amie. Mais en plus, il parle tout seul. Mais c'est qui? C'est ça, sa cousine? Non, c'est celle qui la danseuse, c'est une amie. Et il met une... Merde, attendez, je voulais la fin de l'histoire, moi. Ah, mais elle répond quand même. Oh, attendez, attendez. Merci de ne pas utiliser mes photos. Je te l'ai déjà dit. Il y a un droit à l'image dessus. Celle-ci, je ne l'avais pas publiée. Tu l'as piqué sur mon site officiel. C'est ennuyeux car mon manager est Furax. Et le mec a liké. Ah non, quelqu'un d'autre. Ah grave, à moi aussi, il m'a mis sur la photo. J'aime pas. Moi, je préfère que ma photo passe que je connais pas. Quoi? J'aime pas, moi, je préfère que ma photo passe que je connais pas, moi. Connais pas. Et le mec, il répond à un chien qui fait ça, putain. Il l'a pas retiré. Il l'a pas retiré. Et là, ah, et là, là en fait... plus, nous, on le diffuse. Et nous, on le diffuse. Ah, merde. Et lui, tu fais... Ah. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que tout ça, c'est la même conversation, c'est la même page. Mais en plus, déjà, il parle tout seul. Pour attendez. Merci de ne pas... Je t'ai déjà dit, il y avait un droit à l'image. Attends. Qui n'est pas au courant qu'elle est là? Ok. Promis, je le ferai plus. C'est elle, la danseuse Elvira. Merci de ne pas utiliser mes photos. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Putain, c'est très... Tu es plus belle, normal, tu es ma cousine. Vous croyez qu'il la ken, du coup, sa cousine? Elle fait tout le temps la même tête. Tu peux me copier-coller. Merde, c'est assez magistral. Attendez. Son accès au profil public. Hein. Bah, nous, on cherche pas. On fait que. Techniquement, ce n'est que Facebook. C'est pas moi. Voilà. Bah attendez, on a d'autres si photos. Si vous vouliez pas que ça se trouve, bah mettez votre faites... profil en... C'est génial, le mec il met des photos de sa cousine, de Laura Pausini, d'une meuf, on sait pas qui c'est, et voilà, et puis quelqu'un d'autre. Il a... Par contre, il a un type de meuf. Genre, c'est vrai, t'es capable voit, de... On voit clairement... On voit son type de meuf. Genre vraiment, voilà, là moi je trouve que c'est de la belle photo. Il a mis Laura Pausini, cette meuf-là, Laura Pausini, sa cousine... Une autre meuf qui ressemble à sa cousine, ouais. Et lui avec marqué personne en or. Avec une colombe de la paix qui tient un petit bouquet de glantiers. Tu viens de Facebook en plus. Tu viens directement de Facebook. Le mec, et ce mec se met deux fois cette fois-ci. Et il a toujours sa cousine quand même. Et deux fois Laura Pausini et cette meuf-là qui est vraisemblablement sa cousine. En même temps, je trouve que c'est une belle photo de lui en train de tirer le cochonnet. Voilà. Donc cette fois-ci, il a réussi à augmenter le manèse. Il a retiré une photo de Laura Pausini, a ajouté une photo de gamine. Et une photo de lui qui fait la pétanque. C'est peut-être sa cousine. C'est vrai. Alors ça, c'est sa cousine, par contre, c'est sûr. Donc maintenant, il n'y a que sa cousine. Il n'y a que sa cousine et lui deux fois. Voilà, tu es mon idole.
MDR, que je t'aime, mon cousin. Merci, tu es ma cousine la meilleure. Je t'embrasse, à demain, je vais dormir, demain, je fais le marché, je t'aime, voilà. Et il met, à demain, les mignons qui mettent... C'est pas la même cousine, hein, je crois. Tout à l'heure, c'était pas celle-là. Bah, elle vient peut-être de changer parce que tu... parce que je viens de la stalker. attendez, alors là on augmente le niveau. Plutôt que de mettre une photo de Laura Pausini, il met deux photos de Laura Pausini et un mix-up de photos de Laura Pausini avec lui identifié à la place de Laura Pausini. Le mec a augmenté, voilà. Avant, j'étais gentil, mais ça, c'était... Quoi ? Alors, ça y est. Ah, il a changé de Tinder. Il a changé, et c'est qui ? Et ça, c'est qui ? C'est toujours l'autre. Ouais, mais elle, c'est qui, quoi ? Mais elle change pas de photo, l'autre. Mais c'est super malaisant. Ah, si, tiens, regarde, elle a changé de photo. Qui ? Là, la brune, ouais. Ouais, il y a deux photos, même. Ah, ouais. Attendez, il y a combien de trucs dessus, là ? I love you, Tiamo, France. Ah, mais je sais pourquoi. C'est genre, en fait, il reprenait, il recumulait les trucs au lieu de changer, remettre la photo profil. Là, c'est un peu, ça, c'est un peu la photo de mon gars, tu sais. Est-ce que tu crois que c'est lui, plus jeune, ou est-ce que tu crois que c'est... Non, je pense que c'est simplement son plus grand concurrent. Ouais, bah là, je pense que c'était lui, plus jeune, par contre, juste avant. Non. Alors là, cette photo, je ne comprends pas ce qu'il... Il a changé de passion. Là, c'est... Cette photo est magistrale. C'est vrai, celle-là, elle fait rêver, quand même. Attendez, moi, j'aime bien, c'est parce que là, tu vois le cumul. Tu vois le... Le mec, il a Soy Princesa de Dios. Qu'est-ce que ça veut dire, Soy Princesa de Dios ? Ça veut pas dire que c'est une princesse ? Ça me fait beaucoup trop rire, les gens. Personne en or, hein. Enfin, personne en or. Mais du coup, est-ce qu'il y avait personne en or, juste personne en or, et qu'après il a rajouté la couronne ? Attends. Je suis la princesse de Dieu. Non, je suis le flamenco de DS. Je suis la princesse de Dieu. Mais regardez-moi cette photo, il y a 4 filtres là-dessus quand même. C'est flamenco des dos. Des dos. C'est qui, Fernand ? C'est des faux comptes tout ça, je suis sûr que c'est des faux comptes. Mais qu'est-ce qu'il fait, putain ? Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un dinosaure ange ? Qu'est-ce que c'est ? Ce mec est fou. C'est Laura Pausini. Il a une grosse fixette sur Laura Pausini. Ouais, Star 80 quand même. Hein. Ouais, avec Akitu Kochina Gintana. Il doit dire... Ça sort d'où ? Je sais pas. C'est Laura Pausini. Maxime, j'ai peur. Il y a beaucoup trop de Laura Pausini. Par contre, le coup de... Si, c'est la même. Hein. C'est cousine, pas des dios, les gens. Hein. C'est des dos. Des dos. Et il n'y a plus Princess. Princessa. Donc là, on passe sur sa cousine. Les gens. Ah, on passe dessus, carrément. Oula, il y a... Ouh. Ah. Là, il n'y a pas grand-chose, mais il y a beaucoup de fois la même photo. Ouais. Genre, boum, boum. Genre, celle-là, elle y est quand même pas mal de fois. Hein. Alors, tiens, là, il y a un très bon exemple de quand vous mettez le flash à fond, la luminosité à fond, vous lissez la peau sur Photoshop, et quand vous le faites pas... Attends. Ils te feront la guerre, mais ils ne te... Lina Lorton, vaincront pas, car l'éternel des armées marche avec toi, avance encore. Non, je crois que c'est sa fille. Ah, c'est sa fille. Exact. Très bonne analyse. It's my life. Life is all about evolution. J'aime beaucoup cette personne. Je suis deg parce qu'avant, on pouvait voir plus de photos de lui. Hein. C'est vrai que sa photo... Et n'empêche qu'il travaille chez Laura Pausini. Aussi bien, c'est vrai. Hein. Aussi bien, c'est son... Et... D'ailleurs, il habite chez Jex. Non, il habite à Ajaccio. Non, il habite à Mar. Ah oh. Avant, il était chef. À Marseille. Il était chef de Facebook. Il a habité à Marseille. Non, t'as raison, il vient d'Ajaccio, mais il habite à Marseille. Donc c'est peut-être de la famille d'Ajaccio, on ne sait pas. Ah, il a une autre cousine. Ah, en 2008, il a commencé à travailler chez Facebook et Laura Pausini. Le mec, il a une carrière qui part en... qui part en folie. Et donc, tu parles de cette personne qui est donc, je rappelle, la seule personne de sa famille qui est donc trop franche. Et qui a étudié à Harvard University. J'ai du mal à croire que tu sois franche, ma chère Inès Fitt. Est-ce que c'est toi sur la photo ? Pareil, j'ai du mal à croire. Mais peut-être que tu es vraiment cette personne qui vient des États-Unis et qui est évidemment pas du tout une personne retrouvable en deux secondes avec une Google Search image
voilà, c'est elle, c'est fille. Moi, j'aime bien, c'est quand même, merci Google de nous amener sur la page Wikipédia de fille. Fille, une fille est un mot polysémite désignant un être humain de sexe féminin n'ayant pas atteint le statut de femme, que ce statut résulte selon les époques et les sociétés de l'âge ou de l'état non marital. Merci beaucoup. Avec des commentaires. Alors là, il y a plein de commentaires, ça va être très drôle. Three pretty women kisses at you three. Que dire sinon bravo? Bravo quoi? Regarde avec Tinai. On retrouve tout presque avec ça. Trois belles plantes. Pourquoi tu poses ça? C'est celui qui a dit trois belles plantes? Non, c'est un autre. C'est juste le mec, il a mis la photo. Non, c'est un autre qui a mis une photo comme ça. Et pareil, il y a un mec qui a mis une photo de chien. Non, mais vraiment, il a juste mis une photo comme ça. Tu n'as pas obtenu le statut de femme, ça s'est trouvé? Les trois fantastiques. Trois jolies nanas. C'est toujours un bonheur de voir de si jolis sourires. Merci les jolies fleurs. Trois brisées, régons, évrines, nérinales, prespectées. Merci beaucoup, Saban Ramadi. La grande classe. Trois belles dames. Attends, c'est Psy, ça, non? Non. Si, c'est Psy. Recherche Google. Si, c'est Psy. Moi, je demande validation du jury. C'est Psy. Ah oui, c'est lui. C'est j'ai l'habitude de le voir avec les lunettes. C'est Psy, regarde. Tu mets Psy, GIF. Bah, tu risques de beaucoup tomber sur... Ouais, mais t'inquiète, on va tomber sur le sur le même GIF. Maxime, t'es sur YouPorn, là. Oh, ça va. Tout le monde te voit. Voilà. Et voilà, c'est ça. Regardez, c'est Psy. Ah, oui. C'était pas celui... celui-là, non, non, en haut, plus haut. Voilà, là, qui fait... What the mais fuck non, pas celui-là, là. C'est... Non, à côté. Voilà, c'est ça, Psy. C'est Psy. C'est clairement Psy. C'est Psy. Moi, j'aime beaucoup quand il fait Ragaman. Ah, trop bien. C'est la... Faut que tu l'acceptes sur ton réseau. Putain. Joli. Beautiful. Merci. Et c'est toi, mec, maintenant. Ah, le mec, il a mis un chien qui lâche l'écran, ça fait du violet. Et ça fait un... Charmante. Wow, wow, wow. Et il met un chien. Et il y a quelqu'un qui répond cute. Very beautiful, you are cute. Bravote. Attends, c'est notre... Eh, des belles photos, quand même. Celle-là, elle fait un peu peur. Au début, j'ai pas très bien compris ce qu'on voyait au milieu. T'as accepté l'identification? Il faut que j'aille sur mon profil. Ah, je pleure. Je pleure, putain! Attendez, j'ai un ami en commun avec. Alors, gérer les publications. Mais c'est une vraie personne, ça? Je pense que oui. Hein. C'est Swan. Devnet qui a commenté la photo du chien. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la meuf, elle poste ça, d'accord? Qui est donc une image d'une BMW. D'un truc... Enfin, c'est vraiment très typé gitan, je veux pas dire, parce que... Mais t'es juste... taré. Bon, bah voilà. Merci beaucoup, le Dark Angel. Tu as le choix entre un iglo d'1m50 ou une statue de la Vierge Marie noire d'1m50. Donc voilà, on est d'accord qu'on est très sur le côté gitan, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quelqu'un qui poste une quote de quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, d'accord, qui met « Game, low, bail, tcha, mangle » avec Louis de Funès. Avec un smiley un peu gêné, un smiley clin d'œil. Et... Non, c'est bon, on peut... Voilà, et... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Game Lobel Stages Dimension? Le nig... Non, pas un igloo. Pas un igloo. Un iglo. Ça, un hérisson, mais ouais. Gitan. Ça s'appelle... C'est comme ça qu'ils appellent ça, en fait. Ils appellent ça un iglo. Merci, Inès, de m'avoir accepté comme ami Facebook. Excellente semaine à vous. De rien. Et merci, excellente semaine à vous aussi. La vie, très cordiale comme amitié. La vie, c'est comme la boxe. En quatre mots, avance, encaisse, esquive et progresse. Avance et progresse, c'est... Non.
fait un peu de fois le même mot à ce moment-là, et c'est 5 mots en plus. Il y a « et ». C'est vrai qu'avant, c'est « progress ». Jolie photo. C'est con parce que t'as mis « joli » avec un « e », mais t'as mis « photo » avec un « f ». F-O-T-O. Photo. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est... C'est clairement... Clairement, elle. Je crois qu'elle aime bien les bouches. Alors, par contre, ça va être compliqué à lire. Hein. Mais elle aime beaucoup les bouches, hein. Qu'est-ce que... Putain. Voilà. On va trouver des gens à jour récent. Voilà. Emilia Posini, par exemple. Qui est clairement une vraie personne. C'est Emilia Posini. Nice pic, beautiful. Bella la tua, imagine de profilo. Traduit en français. Beau votre image, Emilia. Vous êtes belle et très beau, très Carina. Un baiser et embrasser Huggy. 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 Il a des bons tuyaux. C'est Huggy les bons tuyaux. Je pense que c'est un peu l'enfer, ce Facebook. J'aime beaucoup. Je pense qu'on n'a pas encore exploré les bas-fonds de l'Internet. De Facebook même, juste de Facebook. Moi j'ai des meufs bizarres qui m'ajoutent aussi, je peux les proposer pour ça. Oui, tu peux me les envoyer, par contre me les envoie pas par message, s'il te plaît. Envoie-les-moi par mail. Parce que si tu me les envoies, ça va popper là, et tu sais très bien ce qu'on va voir, Cécile. La fameuse photo de pénis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je précise que c'est une photo de micro-pénis qu'on s'envoie avec des smileys dessus. Il n'y a rien de gênant pour nous. C'est la mienne, mais voilà, j'aimerais bien que ça reste quand même entre nous, tu vois. Ça, vous voyez, c'est un peu un cercle. Hein. Bon, on va chercher les faux comptes, là. Ah. D'ailleurs, on pourrait faire des votes. Est-ce que ce compte est fait? Alors, par contre, on va pas... Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on va valider les trucs avant de les regarder, parce que sinon, je vais perdre mon compte Twitch. Ça serait malheureux. Donc tu peux me les envoyer sur Facebook, c'est trop. Merci Gobzu, ça m'a rappelé de trier mon Facebook en amis uniquement. Franchement, faites-le. C'est très important. C'est là pour vous apprendre le fait que voilà, on peut vous hacker menu. Il y a beaucoup de faux comptes. Là, ça, c'est du faux compte. Ça, c'est sûr. Je sais pas. Moi, je pense que ça mérite un vote du public. Venir à la maison et à la normale. Eh, hey, smiley chat. Cœur. Non, attendez, je vous le commentaire. Bella D+. C'est bien, c'est pas être terrible comme notre D+, honnêtement, mais bon. Bella, très, trois petits points. Beau mamacita, bisous. Waouh, vous êtes merveilleux. Vous êtes une déesse de la beauté et de la sensualité. Merveilleux, 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 point d'exclamation. 5 smiley bisous, 5 smiley bisous, 5 smiley cœur, 6 smiley cœur. Orito and Decadores. Migata. Bonjour, belle. Bonjour, belle photo de profil. Très très beau. Bella, trop mignon. Vous avez de beaux yeux. Aïe. Manquant 2 jours car elle est venue. Putain, mais. Attends, c'est marqué au de sa voix, non? Eh, tu peux voir la traduction si. Hello, la voix, d'accord. Tu remontes, tu peux voir la traduction. Voir la traduction, c'est vrai. Il reste 2 jours, pour elle, je suis venu. C'est très étrange que ça soit traduit. Du aussi. Français en français, oui. Et que ça rende un sens. Oui, c'est ça le truc. C'est trop bizarre. C'est vraiment très bizarre. C'est écrit en français, manquant de. Bah, je peux vous montrer. Enfin, il n'y a rien d'illégal. Non, de toute façon, c'est en public là. Mais il n'y a rien de cul, c'est ça que je veux dire. Je m'en fous que ça soit légal pour les gens. C'est pas des vraies personnes, on n'a rien à craindre. C'est vrai. Les vraies personnes ne portent rarement plein. Donc voilà, là c'est marqué manquant 2 jours car elle est venue. Et après, c'est marqué, il reste 2 jours, pour elle, je suis venu. Mais c'est une traduction, bon, ça. Fais gaffe, si tu trouves la trouille, elle va t'envoyer le truc. Ah oui, merde, c'est vrai. Attendez, c'est bon. À moins qu'elle te l'a envoyé par mail, quand même, par sécu. Mais ouais, du coup, c'est trop bizarre. Ouais, tu passes du français au français et ça devient cohérent. Tu comprends. C'est que les traductions Facebook sont très au point. Pourquoi vous mettez RIP, adieu, Globtopus? Cette bête. Il y en a plein, je fais une sélection. Mais non, on est toujours en live. Avec grand-mère, mon amour. Ah, elle fait peur, elle a un coin d'œil. Je sais pas si c'est un faux compte ou un vrai faux compte. Avec mamie, mon amour. C'est trop bizarre. C'est vraiment des traductions. Mais elle change tout le temps de photo, je sais pas. Et puis même elle, c'est pas elle. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. L'amour de ma vie, et c'est traduit amour de ma vie. C'est trop bizarre qu'il y ait des traductions.
Même c'est pas elle, sur toutes les photos c'est pas elle. Chaque fois c'est une personne différente. Même le bébé c'est pas elle. Quoique la vieille là c'est la même. Après elle a quand même 1043. Mais les fesses de la dame c'est quelqu'un d'habillé dans les... C'est quelqu'un de nu qu'on a pas. Tu vois en plus c'est, en fait c'est même pas des écoles. En fait l'école est pas en France déjà. Elle habite à Los Angeles, Texas. Elle vient de Cancun hein, quand même. Elle est membre depuis février 2017 la meuf. J'essaye de trouver dans les gens qui m'ont ajouté, il y a peut-être des faux. Des faux comptes. Je suis là pour vous apprendre à utiliser Facebook et à décider de qui est vrai et qui est faux. Oh. Et en fait, je pense que pas assez de gens le font. Ah, tu connais ça? C'est Dubnet. C'est vraiment Dubnet? Oui, non, mais je te crois. C'est quoi, sale pire? Ah, il faut vraiment pas que je fasse ça. Il y a rajouté n'importe qui? Ouais, mais tu vois, il y a des trucs où c'est des vrais gens en fait. Et on dirait pas. Il y en a plein, je fais mes sélections, il y a eu les fesses d'Adam. Mais non, tout va bien. Je suis en train de chercher là. Ah. Et après, le problème des faux comptes, c'est que c'est beaucoup juste des trucs de cul. Genre, je suis prêt à vous servir ce soir. Regardez mes vidéos en streaming, naughty avec moi. Elle est peut-être sur Twitch. Ici, il y a une vidéo plus longue. J'étais nu. Si vous voulez me voir ensemble, vous pouvez cliquer ici. Et là, il n'y a pas de traduction. Quelqu'un qui sait, mais il savait qu'il était curieux. Si vous le savez, s'il vous plaît, cliquez ici, bab. Bab. C'est vraiment creepy comme... Et il y a vraiment un monde hein, de Facebook... très particulier quoi. Cette fameuse Scarlett. On avait regardé Scarlett. Salut. Je suis à la recherche de quelqu'un de nouveau pour s'amuser avec. Vous devez être drôle et l'amour. À plaisir moi. Je n'ai pas une préférence d'âge, juste regarder bon sucer et me baiser. Interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans. Oui, je me souviens qu'on avait regardé celui-là. Elle est sur Reims. S'il y a un événement ce soir, sinon, me accompagner pour ce soir dans le lit. J'attends à l'hôtel pour la nuit, contactez-moi ici. Elle attend depuis le 24 février, les gens. Ça attend d'y aller, sa facture de tête va augmenter. Je suis pas sûr parce que je suis bête. Après, c'est plus des mecs qui m'ajoutent, moi, et je les enlève au bout d'un an. Mais je t'en ai envoyé 4. Mais pas sur ton adresse, comme plus. Mais pas sûr que je puisse parce que je suis bête. C'est pas grave. Les gens qui m'ont. Ils auraient pas dû. Alors attendez, j'en ai enlevé plein, c'est dommage. Donc, ça c'est un vrai compte. Merde, ça a l'air trop bien. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de truc de cul, mais normalement c'est bon. Ok, nous y sommes. Donc, alors ça, les comptes indiens, il y en a plein. J'ai discuté pendant très longtemps avec un compte indien. Mais c'est écrit en indien. Mais Cécile, Cécile. Quoi? On est allé à Model School. Il est allé à Model School. Voilà. Pourquoi tu le refuses, ce cher Arafat Rahman? Regarde, n'est-il pas élégant avec son petit astuce? Regarde. Avec en plus, il fait guitare. De la guitare. Et regarde, il s'est scadré. Hein. Et là, c'est comme ça que tu le mates, t'avoue. Tu regardes au début en disant waouh, et après tu regardes son boule. Et après tu regardes sa. C'est une djellaba, non? C'est un... juste un t-shirt long. C'est une chemise. Mais ça, c'est juste un. C'est quoi? C'est juste un truc. C'est même plus, c'est même plus un compte, c'est juste une pub. Genre vraiment quoi? Genre de ouf. Pour 48 plus. Alors là, franchement, si je ne te comprends pas. Comment refuser cette sexy bombe. Et regardez, en plus, ça peut faire vraiment... Il est déjà casé, désolé. Ouais, c'est pour ça. Ouais, là, je vais pas descendre plus bas. Ouais, ça... Moi, ce que j'aime bien, c'est que ses amis, c'est des enfants. Ils sont tous chinois. Ou asiatiques, en tout cas. C'est bizarre.
Cécile, est-ce que c'est pas ça le point commun entre toi et cette personne? Enfin, en même temps, il y a John Reynolds. Et Gabriel Mesquita. Et Robin Cheng. Si, il y a ce point commun. D'avoir. Bon, écoutez les gens, on va arrêter de regarder les comptes Facebook des gens. Parce qu'après, autant c'était rigolo. Mais après, ça tourne un peu en rond. En fait, c'est très dur de trouver un bon compte Facebook. Mais la dernière fois, on était tombé dessus. On ne pouvait pas ne pas le partager avec vous. C'est vrai que c'était quand même bien marré. Hein. C'était beaucoup trop drôle. Bah après, je précise, j'ai des gens sur Facebook. Si vous voulez, alors, on va parler d'un autre truc. Allez, ça va être très dur à retrouver. En gros, j'ai une personne sur Facebook qui poste constamment des trucs du style tout le monde m'en veut, les gens c'est des connards, ils font et ils postent ça, quand je vous dis ça ils postent, c'est possible, en 2 heures 200 fois ça et il répond en commentaire et il répond aux commentaires et c'est que lui et il like des trucs, il met des et il fait ça vraiment, 200... quand je dis 200 fois je ne plaisante pas sur une après-midi et on les appelle des AW, pourquoi? Attention Noir. Ah mais non, mais il n'y a personne qui répond en plus. Donc c'est vraiment bizarre. Putain, les premières photos du Joker sont vraiment bizarres. Hein. Je sais pas quoi en penser. Ouais, en même temps, enfin... Roast me, mais c'est vrai, c'est bizarre. Hein. Un mec vraiment stable. Ah mais franchement, j'essaie de le retrouver pour lire un peu les trucs, mais... En plus, c'est un peu dommage qu'il fasse la genèse du Joker, pour le coup. Pardon. Bah, à voir si c'est ça, ou si c'est un flashback, ou si c'est une partie du film qui a rien à voir. Ouais, t'sais. Ça se trouve, oui. J'ai lu ça, en fait, mais ça se trouve. Ouais. Après, c'est peut-être possible que ce soit vraiment la genèse du Joker, mais bon. C'est justement la force aussi, c'était de pas savoir comment il s'était fait. Il s'était fait ça. Quoi? Mais... Merde, c'est chaud. Ah merde. C'est une école de Lyon qui a rajouté sur des photos, ils ont modifié des photos pour ajouter des blagues sur la photo, mais genre... Mais il était pas déjà black, mais... Non, peut-être pas. Non. Mais du coup, ça se voit trop, c'est ouf. Puis regarde, ils ont... Pourquoi ils ont photoshopé cette personne-là? Genre, il y a plein de trucs qui ont été photoshopés, rien. Hein. C'est trop bizarre. Il y a aussi les faux comptes Twitter. Alors ça, les faux comptes Twitter, j'avoue que je vais pas assez sur Twitter, je pense. J'utilise pas Twitter comme ça, moi. C'est il y a 2 semaines, cette histoire de photos. Depuis, ça a été retiré du site. D'accord. J'ai pas suivi. Désolé. Ah, Rick and Morty aux Emmy. Ouais, j'ai vu que c'était l'épisode Pickle Rick qui a gagné aux Emmy. Et ça fait trop, c'est pas du tout le meilleur épisode de la saison 3, quoi. Moi, j'avoue. C'est City of Freak qui est carrément mieux, mais bon. Pourquoi pas. Ben les gens, on va vous laisser parce que du coup, on doit travailler. Ça doit être fini maintenant. Ce qu'on attendait. Et ben écoutez, je vous dis à mercredi soir. N'oubliez pas, sur twitch.tv/cryptopus, vous y êtes déjà. Et c'est quoi mercredi soir? Je crois que c'est Chrono Trigger. Voilà. Vous voyez le programme, la Chrono Trigger à 21h. Jeudi 22h, Globi Aurore. Vendredi, n'oubliez pas, c'est le live JDR Tribu Gobelin. Samedi, c'est pas du tout sûr qu'il y a un live. Mais dimanche, il y aura bien Delta Green et ce sera la fin de la campagne. Donc, ça sera plutôt cool. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette exploration urbaine de Facebook. C'est vrai. C'est urbex de Facebook, hein. Voilà. N'oubliez pas que Zach est une jeune femme. Des États-Unis, d'Amérique, et à très bientôt. Ah. N'hésitez pas à me mettre un petit chien. Wouh wouh wouh. Ouais. J'adore. Merci de commenter toutes mes photos en mettant wouh, Bella, wouh, wouh. Bella, machin, tu es très belle, ma cousine, je t'aime. N'hésitez pas aussi à m'envoyer tout ce qui va être vidéo de partage, machin de bonheur, tout ça. Voilà, les fleurs et tout ça, c'est important. Parce que moi, ça m'a toujours porté chance. Ouais, c'est grâce à ça qu'on est vivant. Ouais. Sinon, j'étais mort. Moi, c'est... Plusieurs fois. On en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, apparemment, je suis déjà mort plein de fois. À bientôt. Bisous, bisous, bisous partout.
Ta main, elle bouge toute seule, non? Je te dis, ils n'ont rien vu que c'était le début de la RG, mec. On les a bien pinés. Et c'est ouf parce que quand même, t'avais planqué plein de... Enfin, tu te rends compte du nombre de faux comptes qu'on a créés et de liens entre ces faux comptes qu'on a créés. Tout ça pour cacher le début de la RG. Ils ont même pas compris. Enfin,